j'en ai un vers le sud et ça. Voilà. Mais j'ai peur que ça soit le... les hermanos, écoutez, le temps que vous préparez tout ça là, avec Jordi, on va juste aller demander, histoire de une pépite de compensation, et après on bouge, c'est bon? Ça va les faire galérer, ça nous laissera le temps de partir. Y'a un Granger et un. Granger et un intercepteur sur la montagne. Ouais, on a... De toute façon, il est baisé. Par contre, je suis pas fan de l'idée de l'être en dessus, ça va être vite le bordel. Voilà, voilà. Ouais, il y a moyen qu'on se fasse taper par d'autres voitures en plus. Tu m'entends quoi, hermano? Il était l'hélico, comme il abuse. Ouais, du coup, tu l'as remarqué, on est un peu venu pour rien, on est un peu déçu, quoi, hein, faut être honnête. Hein. On n'a pas eu. Tu m'entends ou pas, mon gars? Oui, je vous entends, juste vous pouvez retourner là-bas, on va arriver vers vous. C'est juste parce qu'on attend des unités, parce que je suis seul avec un agent là. J'ai pas d'arma, si je charge pas mon arma, c'est bon. Bon, dites-moi, allez-y. Après, je recule le temps que si vous voulez. Si je vous dis ce que j'ai besoin, comme ça, vous pouvez anticiper. Dites-moi comme ça, je peux, oui. Voilà, c'est ça. En gros, nous on est venu un peu pour rien, on est un peu déçu d'avoir eu le bad timing, hein, comme on dit. Donc, histoire de noyer nos pleurs dans quelque chose, je vais vous demander un truc assez incroyable qui va vous demander beaucoup d'investissement et de temps. Et j'aimerais une pépite de ce putain de convoi en échange de tous vos agents là, histoire de me dire, même si c'est pas très vrai, que j'ai pas fait tout ça pour rien, tu vois. Ouais, mais là je pense que ça va être un peu impossible ce que vous me demandez quand même. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein. Après, si je te propose moi quelque chose, si maintenant tu me dis c'est impossible, je m'adapterai en conséquence. Ouais, pour nous, de notre côté, ça va être un peu impossible de vous sortir une pépite d'or, hein, on va pas mentir. Ah bah écoute, je te laisse réfléchir, c'est agent 12, c'est ça? C'est bien ça. Et bah je te laisse réfléchir à ça et tu me dis. La pire, j'ai peut-être une proposition à vous faire, c'est de l'argent. Oh, nous, tu vois, là, en fait, en gros, la marée pour ta grande, on est... Je sais pas comment t'expliquer ça, tu vois, là, maintenant qu'on a fait tout ça et qu'on a l'impression qu'on a fait pour rien, quitte à avoir fait ça pour rien, on aimerait avoir un... Se dire un jour, si on s'en sort... Permettez? Ouais, bien sûr. Oh là oh là, les poyos, ça va quoi bien? Ah. Ça pourrait aller mieux. Non, en vrai, vous inquiétez pas, on leur a rien fait, ils sont en bonne santé, vraiment, il y a complètement. Pas de soucis. Ce que je pourrais vous proposer pour tous les otages, je peux vous proposer. Je réfléchisse, 1500$ hein. En vrai, de vrai, vraiment 1500$, c'est tellement peu que ça me fait de la peine de les prendre, tu vois ce que je veux dire? C'est pour ouais, ça, la pépite me paraissait plus. Comment dire, elle avait après, un aspect pour tous les otages, voilà. Je peux maximum vous proposer 2000$ pour tout ouais, le monde. Tranquille, je veux pas ta plata. Si j'ai tapé des pépites, je voulais des pépites. J'en ai pas, bah écoute, tant pis, c'est pas grave. Comme je dis, les hermano, ils ont juste entendu réparer les roues parce qu'il y a eu un peu de casse. Et on va partir. Okay. On a fait rien de personnel envers la Speedy. C'est la plata, elle en court après, mais moins on vous voit, mieux on se porte. Hein. Il se trouve que vous étiez à côté. Bref, je vais voir mon gradé et je te tiens au courant, c'est ouais, bon. C'est mais dans tous les cas, tes gars sont dans la montagne, il leur arrive à rien, t'inquiète pas. C'est bien pris, je remercie. Ça en est où? Bah, il veut 1500$, mais je lui dis, il veut 1500$, bon, autant rien donner quoi. Ok, ça marche. Donc, okay, Pépites, ils peuvent on pas. On revient. Vas-y, viens, viens vite. Ah, viens vite. Là-bas, ouais. C'est la vraie. Vas-y, commencez à vous rapprocher des voitures. Eh, l'hélico, il vient de bouger, c'est timing. Vas-y, go. Et on fait un. Écoute, j'ai plus ma moto, elle a explosé. Hein. Ouais, c'est pas grave, écoute. On fait juste un pic demi, ok. Ouais, ouais. Et on retourne en ville et après chacun pour sa peau, c'est bon. Après, le must, si tu veux vraiment. Il bloque dans le nord. Ok, bah go alors, vas-y. Écoutez-moi. Tous les conducteurs montez vite là, tous les conducteurs. Tous les conducteurs montez vite. Y'a quelqu'un qui me laisse un volant du coup parce que j'ai plus la moto là, c'est possible? Ouais, monte dans une primo. Elle a pété. Ouais, j'ai pété. Comme qui dirait, dû l'utiliser pour faire barrage. Je me suis barré à la explosion. Dépêchez-vous, là on a pas le temps. Il y a l'hélicoptère, ils vont rien nous donner donc tranquille. Juste écoutez, hein. Montez tous les conducteurs là et les passagers aussi. Vas-y, et restez, gardez juste Rafa avec les flics. Vas-y. Tu conduis ou pas? La blade, y'a personne. C'est cauchemar. Vas-y, cauchemar et Rafa, vas-y, montez vite. Cauchemar. Ouais. Attendez, je vais dire. Ah, c'est bon. C'est bon, vas-y, remontez. Allez. C'est pas grave. Allez, vas-y, go, pic demi, c'est parti. Allez, bon, on y va, on se casse. Jacadie a dit, bougez pas. Pique à vos mères. Non, faites pas cut. Cauchemar, je sais pas ce qu'il fait. Fais gaffe, il y a une voiture à l'arrêt, les gars. Ouais, t'inquiète, vas-y, bombardez, prenez à droite, faites pas de contre-sens. Y'en a qui vont tout droit, Tout droit, bretelle autoroute, faites vas-y, plaisir. Vas-y, je vais à gauche, je ferai bisous. Et prenez au pif, c'est parti. Ouais, il m'a cut, oh le bâtard, m'en fous. Juste
conduisez bien, tranquille. Hein. Juste tenez votre course poursuite, les frères, y'a rien. Nous, on va essayer de se séquiper. De toute façon, dès que vous êtes safe, ouais, vous savez faire les autres. Hein. Vas-y, on est safe, on va au quartier. Vas-y, vas-y. Tous ceux qui sont safe, rentrez. Vas-y, on est safe avec Mino. Et je suis safe aussi. Vas-y, moi aussi, on est safe avec Fidel. Et si. C'est qui conduit ma coachée là, juste que je sache. Tu fais un droit à droite, c'est fini mon grand. Tranquille, vas-y, vas-y, tu vas être pris haut. Tu vas être pris haut pour plomber. Là on est Little Seoul, là on passe chambre des métiers. Là on parle. Vas-y, le Vespucci. 30 secondes, je suis là. Je prends Vespucci. Là on est deux. Vas-y, dégage. Et moi je prends une voiture au cas où si ça t'arrête, je suis voiture de 3 tout seul. Pack de la skis. Ouais, j'ai lancé histoire 2, j'ai lancé histoire 2 vu que ça avait l'activité. J'avais pas prévu de lancer. Mais... On va lancer l'autre un peu de. Ça, ton créchat de quartier. En vrai, non, on peut gérer pour l'instant. Donc... Vas-y, tranquille, tu vas tenir la course poursuite. Juste, spammez pas tous. Écoutez-moi. Juste ceux qui sont encore bien, qui peuvent tenir, vous parlez par radio, ok. Et ceux qui sont dans la merde, la sable qui fume et le mec qui va faire la plan-mule, le plan-mule, y'a que vous qui. La cochée elle est bien ou c'est si bon? Si on entend un par les radios, je me calme, c'est bon. Vas-y, go. Ok, Jordi. Ouais, je prépare le plan. Là, on est très bon. Je pense que tu devais tirer juste vers War Dogs. Ok, là, ça vient vers la marina. Vas-y, on arrive là. Vas-y, je me place et je vous dis que je suis là, c'est bon. Vas-y, on prend la pause. Vas-y, dégage. Parce que j'ai un plan pour toi là. Oh là, il est en plus. Dégage. Vas-y, y'a qui a besoin d'un plan? Je fais la bande, bim, y'a 102. Juste les frères, juste pour savoir. Y'a combien de voitures qui sont suivies? Deux. Là, y'a moins. Nous aussi, on a deux poyos au cul, mais on est tranquille. Vas-y, c'est la sable, vous avez. C'est la blanche. Si vous voulez, j'ai un plan. Moi, j'ai un plan. Quand il y a les motos qui me suivent, c'est la même. Non, t'inquiète. Ouais, t'inquiète. C'est pas moi qui conduis, mais t'inquiète. Tu connais le plan mule ou le plan ministre ou pas mon grand? Vous avez un plan ou pas là? Lequel? Rendu? Celui Bénice, toute la sable là. Un plan mule pour la marine à cause de mon point et je passe. De quoi? De quel côté? Attends, parce qu'il y a un petit crédit sur moi. Mais du côté, attends. Du côté, genre du Bicobala, c'est bon? Ouais, ouais. Et tu prends la marina comme d'habitude et tu vas juste bouger, moi je les bloque à la sortie. Guapo, tu peux réparer, tu me dis quand c'est bon. Guapo. Guapo il se fait arrêter, je crois qu'il se fait arrêter. Non mais il a pas qui c'est qui veut préparer une mule pour Renault du coup? Moi je vais préparer un plan, t'as vu. On va arriver avec Calderon. Vas-y. Mansur là, l'ancien. T'as juste à faire un dérapage, tu mets dans ma voiture. C'est un endroit. Bah nous on est quatre dans la coachée hein. Ah ouais. Vas-y, attends, je vais faire le plan mule. C'est Calderon, force à toi. Ouais, c'est pas moi, c'est pas du tout. Et j'aurais essayé que genre il colle pas en fait. Vas-y. Là on commence à prendre la marina. Ok, je vois. Vas-y, trace. Mais y'a les filles qui préchotent casse Warthog. Ouais, casse, ouais. Ils sont à ta voiture. Ils sont passés. T'es en place ou pas? Je suis en place moi. Bah, je t'ai demandé, tu m'as pas répondu. Vas-y, on arrive du coup. Vas-y, va Bénise, celui qui conduit là. Vas-y, on arrive tranquillo, il est en train d'arriver là. Là on est. On est with the news là. Le Romain c'est bon pour toi ou pas? Non, c'est pas bon. Eh, il faut que j'aille par. Mon véhicule s'est arrêté à cause des flics, pas mal, vas-y. Faudrait que tu. Oh Mathieu, tu m'entends? Tu vas monter dans ma cabine, elle est full et c'est bon. Oh, dans la voiture, vous m'entendez ou quoi? Il faut. Vas-y, quand tu rentres ici là. Mais putain, c'est pour le 9 mai. Et je rentre dans le Bénise, dans la ruelle. Ouais, tu rentres dans le Bénise, mais par le côté Bill, t'as vu? Eh, Guapo, c'est comment? Je sais pas, ce que tu butes, tu m'as dit, elle est familiste. Là, écoute, Guapo, on est parking rouge, on va arriver, c'est bon? On arrive bien par Bill, hein. Tant que tu me vois pas, tu continues. Hein, t'as dit quoi? Tu me vois et tu descends et tu montes. Par Bill ou pas? J'entends rien avec la radio là. On passe entre Bill. Ouais, bah on arrive là. On a trois voitures. Le Romain, tant que tu me vois pas. À la fonction du parking, tu continues à rouler. T'as on rentre maintenant dans le Bénisme. Vas-y, passez. Tu nous vois au bout. Attends, je suis prêt. Ah, mais y'a des familles au bout, hein. Oh, ils sont tranquilles, ils abusent. Vas-y, fais un droit. Regarde, la pause où je suis. Faut que tu tournes là et puis c'est bon. Attends, on a une patrouille.
s'est rajouté sur nous. Fais gauche tranquille, maintenant. Tranquille, chill, chill. Bon, vas-y, rentrez. Je te confirme ça dans deux secondes, mais je crois que le. La bande, elle est parallèle à nous à gauche. Vas-y, roule. Vas-y, arrêtez-vous, montez. Oh non, il a une dinguerie. Montez face. Oh, tourne à gauche. Oh non, il a tasé, il en a tasé un. J'ai tout. Il a tasé sans soma dans la voiture. C'est pas grave. Normalement, la cochée de Quattro, on est safe. Eh, juste quand vous êtes safe, passez pas par Wardog, c'est des flics. Ouais, si on se fait chasser, on a deux voitures, les frères. Mais j'arrive, je vais te faire un plan. Cacher là, en tout temps. Vas-y, c'est un plan, Rafa. Les familles, ils t'ont laissé Guapo ou pas? Bah ouais, c'est bon. Ils t'ont payé? Non, ils ont vu que je faisais un plan, ils m'ont laissé. Ok, nous, on est safe avec la voiture des Quattro. On va faire un retour barrio aussi. Ce canot, il y a deux voitures de flics qui arrivent. Attends un peu, histoire que. Ouais, vas-y, tranquille. À part Rafa, j'ai pas d'armes. C'est juste à part Rafa qui a des armes, qui est poursuivi avec des armes sur lui. Il reste Rafa, je crois. C'est bon, il a l'air bon, hein. Ouais, c'est bon. Ouais, il y a Rafa là. Je suis vers. Qu'est-ce qu'on a? De toute façon, on va passer le canon. 3 voitures, 4. Bah, normal, là, il est. Go les faire freiner. Eh, t'es tout seul, Rafa? Goulag. Je suis avec Cauchemar, que moi j'ai. Vous êtes en blade, hein. Rafa, tu te rappelles le plan même avec Emiliano, même on bloquait avec les bines et genre on descendait? Et même tu as bloqué les flics? Tu te rappelles ou pas de cet endroit là? Peut-être du ravin là. Même tu fais un dérapage, genre un sort de barrage, j'ai tu montes dans la voiture. Je m'en rappelle plus. Je t'envoie la pause. Moi j'ai juste dit le chat. Moi j'ai plus le groupe. Ah ouais. Là il est. Attendez, je vais essayer de tout dire. Là il est à notre supérette. Vas-y, on va aller ralentir. Vas-y, tranquille, on va faire ralentir. Là il va vers Nord. Je prends là ou pas? Ouais, tu peux. Dans tous les cas, là s'il y a une seule côté sur nous, on est Quattro, on sort, on le braque et c'est fini. Bana qui va te pré-shop sur le pont. Non. Ouais. Oh, non, il reste que Rafa là. Hein. Là, il y a juste à faire ralentir les voitures de Rafa et c'est bon. Parce qu'on est en train de se focus sur lui. Hein. Yes. T'as quoi comme voiture, Rafa? On a une Blade. Ah, plastique, il y a toutes les voitures. Oh, c'est bon, j'en avais fait un vrai blocage. Eh, ça m'a fumé un arbre. Putain. Regardez ce qu'on va faire. Y'a pas de riz. Prends le lead. On va faire une bretelle basique qu'on faisait Family, tu te rappelles? Chouette. T'as dit quoi? Tu vois la bretelle familiale. Attends, je viens de rentrer au barrio, laisse-moi le temps là. Mais oui, dis-moi, oui, je vois de quoi tu me parles. Mais. Oui, je sais. On va faire une bretelle basique, on va tout ça là-bas. Il va passer, on va bloquer. Bah, posez vos armes du coup. J'ai une sabre noire là, donc je vous préviens quand c'est moi, genre juste devant vous. T'inquiète. Oui. Pour tout le monde, vous allez autoroute en dessous de l'hôpital au niveau du labo. Ça va ou quoi, Adam? Vas-y. Ouais, une zone, putain, une retourne. Finito? On voit la pause au pire du coup. Weasel. Vas-y, on arrive, mais. Essayez de temporiser si vous pouvez, forcez pas. Vas-y, prends une primo, nous. Ouais, je prends une Glendale, tranquille, j'arrive. Vas-y. C'est mort, ils sont pompes sur eux et tout, c'est mort. Quoi, ils étaient combien dans deux? Et là, moi ça me suit, je suis en sable. Eux ils sont deux et il y a une dizaine de flics autour d'eux. Ok, bah finito, deux armes à perdu pour une ring, c'est pas la fin du monde. Hein. Celui qui est suivi, celui qui a suivi. Ah, mais vous avez des armes à ceux qui sont suivis ou pas? Non, personne. Bah, si vous avez pas d'armes, c'est celui qui est le meilleur, baisez-les et puis c'est tout. Hein. Je sais, Oscar. Je sais que c'est toi, Oscar. Non, mais moi je suis. Ouais, c'est pas grave, ils sont morts, taillez-vous. Et faites un retour barrière avec tous les coachés là. Vas-y. Histoire qu'on voit combien on est encore, etc. Bah, y'en a 3 qui sont fait péter du coup. 3 avec des armes ou 3 3 avec des armes. Bon, c'est pas cher payé pour une brink, c'est dommage, mais. Non, en vrai, ça va. Ils vont prendre cher. Ils ont lâché les flics, sûrement. Hein? Ok. Georgie? Bah ouais. On fait un truc? Après là? Ah ouais. Ouais, y'a moyen, mais là juste attends, on va calmer un peu. Y'a les familles, je crois, qui tournent. Hein. Ouais, mais on va calmer un peu les flics, tout ça. Et après, ouais. Vas-y, tranquille. Y'a les vagos qui étaient avec 200 kills. Ouais, ça m'étonne même pas. Ah bah. Y'a même les F qui tournent. Ouais, bah t'inquiète. Les balles, ils vont prendre cher les mecs là. Ouais. Bah, braquage. Bah, on a tapé trop tôt, enfin on a tapé trop tard. Ah ouais? Une petite semaine.
Quoi? Ouais, une petite semaine, ouais, ouais, en vrai. Ouais. C'est bizarre. Oui, oui, c'est sûr. Quoi? La vie de ta mère. Une semaine? Une otage ou... Ah, mais si y a une semaine, j'y vais. S'il y a une semaine, je vais vraiment les chercher maintenant. Hein. Mais ils en ont attrapé 2 sur 3, sur 25. T'as fou, ils vont les tuer. Non, les... Des filles. Non, vraiment 3 jours. En vrai, il y a moyen de 3 jours. Non, moi je pense qu'ils sont en train de fêter. Hein. Après, forcément, s'ils veulent tout ah, mais dépend, là, mais hein, vous auriez dû me dire ça dès le début avant qu'on attaque, bande de merde. Bah, c'est les risques du métier. En fait, je t'explique. En fait, je t'explique. T'as vu, s'ils en attrapent pas mal, ils vont mettre vite fait normal. S'ils en attrapent pas beaucoup, là, ils cassent leur crâne et. Ouais, normal, je capte. Bon, en vrai, si t'avais dit ça, on serait pas allé les chercher et puis finito. Hein. Ils vont prendre. On avait combien d'otages là? Je sais pas. Après, en vrai, on a rien demandé, on a rien pris donc bon. Ouais, en vrai, s'ils font les chiens, bon. On va faire du chien. On a rien demandé. Ils vont faire des otages x10. Ouais, on verra bien. Rééquipez-vous et venez au barrio, les gars. Ouais, c'est carré. Moi j'ai cru que c'était des. En heure. Là, faut parler au jour. Non, sans jour, sans jour. En fait, ils vont avoir une amende, mais s'ils peuvent pas la payer, bah ils vont convertir en IP. J'avais trouvé une amende de 100k. Pour prise d'otage, j'avais pris 4. On a même pas 100k dans le coffre. Moi, attaque de combat fédéral, j'avais pris 400k. Ah ? Ouais. 400k, j'ai pris 2 semaines de dupé. Ouais, pareil. Ah, en fait, c'est. On sort en mode, c'est banal, c'est logique. Si vous avez pris votre arme, ouais, regardez bien, s'il vous plaît. Ah, j'avoue, 3 jours, c'est mal. Ouais, quelqu'un a un para ou pas ? Dans le local, le para dans le local en bas. Ça pique. Bah, en vrai, on s'en sort pas trop mal. En vrai, de vrai, vu le nombre qu'ils étaient, etc. Ah, on a bien géré, on a bien tapé et c'est bien joué les frères. Ouais, c'est dommage, j'avais rien quoi. Ouais, c'est juste ça. Mais dommage, j'avais rien dans le convoi. Et on sort un mois. Tu te rappelles quand hein? Surtout, oh, ouais, je me rappelle. Tu te rappelles l'attaque de convoi fédéral? C'est que moi j'ai juste rangé bien souper les véhicules dans les bons garages. Et du coup, là il y en a 3 qui ont bougé. Plus que 3, je crois. Il y en a même d'autres qui se sont fait péter, mais ils avaient pas d'armes, je crois. Non? Non, je crois pas. Non, je crois que c'est juste des petits contrôles. Ok, ok. Et le Calderon, il s'est fait péter, c'était l'autre balle ou? Ouais. Bah, tu t'es fait péter, mais pour raqueter alors. Oh, juste les frères, écoutez, changez tous de tenue. Gardez pas les mêmes tenues que pour le braquage. Parce qu'ils vont servir de ça si vous traînez en ville. Vas-y, bah go, changez vous tous. Mettez. Je sais pas. On va mettre dans une voiture là toutes les tenues, tous vos fringues, on va la brûler. Moi j'ai qu'une paire de vêtements, j'ai la flemme. Bah mets toi tout nu mon gars. Non, moi je m'en bats les couilles, mais t'en réponds jamais, je suis meilleur que les couilles. Tcha, et une moulette baisée. C'est pas dit pas des trucs comme ça, après ils vont s'en servir pour me blacklister des trucs. Ouais, lui réforcer. Non, même pas en plus. En fait, mais tu veux quoi toi? Viens ici, Calder. Mais c'est pas moi qui rigole comme ça. Et alors quoi? J'ai envie de rigoler comme. Mais c'est pas moi qui a rigolé, genre qui t'a imité en rigolant. Pas moi. T'es trop mal à la dingue. Wesh! Arrête, je suis un peu. Ils sont morts, les minots. Aïe, je te jure. Quelle histoire. Moi, d'abord, pour moi, ça fait chier, wesh. Ah, je suis déçu, je pensais que ça allait durer plus longtemps. C'est vrai, je voulais pas lancer, parce que je me dis ça va être tranquille. Au final, on a tapé la Brinks, on l'a bien tapé. Je me suis dit, bon, je vais lancer, vu qu'il y a des trucs. Et en fait, ça s'est terminé trop vite. Vas-y, on va voir ce qu'on fait, hein. Tant pis. Ah, là, vous faites les globes-là, hein. Lazario. Ouais. C'est un bon, je pense pas. Ouais, t'as 3 joueurs, ça fait mal, hein. Qu'est-ce que je voulais dire moi? Nanana. Yo Wark, c'est quoi pour faire? J'ai dit bonjour tout à l'heure, mais je suis. Eh, le mec qui a Christo trop de balles. Ouais, bien. Ça va ou quoi, mon gars? Où est-ce que je peux trouver un truc pour faire les supérettes à ton voulu là? Qui n'importe quoi, une arme blanche. J'en
demander si tu veux. Allez, envoie-moi Zorin s'il te plaît, n'importe quoi, je m'en fous. Mais... Un fusil à pompe? Non, mais non, on peut faire une supérette. Ah oui, ok. T'es coma, comment ça t'es coma, wesh? On va faire quoi là aujourd'hui là? C'est au comité. On attend un peu que les flics ça se calme. Après, Familiz, hein. Familiz, on passe en bin là. Ils étaient vers Petrucci, hein. Ouais, c'est dans le nord. Bah, fallait gagner, hein. Ils se sont fait choper du coup. Je sais pas, 3 je crois. Après, c'est qui en moto? C'est qui en moto? Cristobal, hein. Mais ça, c'est mon moto. Non. Hein? Cristobal. Jordi? Ouais, ouais. T'es au calme si je prends le quad pour aller me changer là en vif? Ouais. Vas-y, vas-y. Un bras à la fin, mec. Bon, vous habillez-vous bien, ouais, les frères. Toi, je te connais, Cuccio. Non, mais bien évidemment. Celui qui est en jupe là aussi, ta mère. Y'en a des choses pour me changer ou pas là? Allez-vous changer si vous voulez. En vrai, prenez des motos, c'est plus safe comme ça. Ah, mais elle est pas à 50 motos. Ah là là, heureusement j'ai dit qu'il fallait pas rouler cauchemar, hein, parce que. Ah, mais là c'est pas sa faute, Ouais, je rigole. Il s'est fait pite, les gars. Il est sorti, il a fait deux pas. Ah. Oh, ça, ça monte, t'es où? Il est de quelle couleur, mon haut, les frères? En vrai, je pense que j'ai pas lancé pour grand chose là. Du coup, dommage. Ouais, Zedan il veut que wesh. Ouais, Zedan il veut que. Ah, mais j'ai envie de te sucer la bite, gros. Oh, calme-toi. Vas-y, envoie une. T'es où? Genre, tu peux me filer mon arbre là. Ça va, c'est chillant, ouais. C'est rigolo. Ouais, là, c'est cool. Ça bouge. Ça, c'est cool. Après, voilà. T'es où? Au milieu de la route. La route. Oui, j'ai changé de veste et tout. Ah ouais, c'est toi là. Gracias. Non, ouais, le feu ça va, wesh. Toujours vous abuser. Oh, ça va, oui, je t'abuse. Ouais, c'est la base. Putain, j'ai le seum. J'ai lancé pour rien presque. Ouais, il est là Simba. Je pensais vraiment ça allait partir en coup plus fort, mais en fait on les a baisés trop vite. J'aurais pas dû lancer en vrai, j'aurais dû relancer demain. Parce que de base je m'étais connecté vite à eux et je me suis dit bon, on va se chill quoi. J'ai une petite heure. Et hey, ici ce quartier aussi. Jordi. Ah, c'est grand hein, bon, le Blanc Soir. Ouais, ouais. Macri et Russe, ça s'est tiré dessus au quartier Hunter. Les flics, ils ont vu que tu vois, leur arme ouais, non. Hein? Macri et Russe, ils se sont tirés dessus. Ouais, ouais. Ouais, en gros, genre quand ils récupèrent les envois à l'hôpital, ouais, voilà, genre entre l'hôpital et le Comico, tu peux taper. Mais vas-y, c'est impossible. Genre les armes entre l'hôpital et le Comico, c'est. Non, 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 ils vont descendre, ils vont te tirer dessus. Bon, t'arraches ta ouais, mère. Ils descendent direct, ils te tirent dessus. Ah ouais, ouais,
c'est quoi, c'est le cartel ou quoi? Oh. Non, non, mais vraiment. On l'a déjà fait et deux fois ils nous ont tiré dessus, ils sont descendus. Mais de toute façon, au pire, on leur met une petite dose, tu vois. Mais maintenant, ils ne savent pas. Ouais, mais M4, mon frère. M4, héros dans ta gueule. En fait, les frères. Ah, c'est la rue. Ah, là, vous avez là, ok, je veux bien. Hein, mais... Non, non. Pas dur dit, mais là, genre, on est très mal. C'est sans nous abuser. Moi, je pense. Après le Brinks, il faut se faire discret des frères. Ouais, exactement. Et là, ouais, on va manger descente, on va mourir. On va mourir. De toute façon, y a rien dans le coffre. Et que chacun nique sa mère. Ça, le problème, c'est comment on a. C'est pour ça que je dis que ça va être calme. En fait, c'est parce que. Pas, ouais. Vu qu'on va se faire taper une Brinks, bah, ils vont mettre la misère. Des pépites d'or. Des mecs, des Anivek. À la banque. Fallait taper avant la banque. Qui veut venir dormir avec moi dans la maison du Réfé? C'est tous un petit plan à trois avec Roulia. Vas-y, va, Mons. Y'a pas. Ah, je t'ai même pas touché. T'es un petit peu que. Mais j'en ai qu'un, tiens, moi. Eh, moi je vais faire une superette, c'est rien. Quitte à faire quelque chose. Eh, j'ai reçu, c'est comment? Du coup, on part tous dormir, du coup, non? Bah, on a pas de peur, il a dit famille, il a dit. Mais les gars, ça se tient tout pareil. C'est si on sort maintenant. Non mais c'est bien qu'ils ont peur, si on sort maintenant alors qu'on a tapé une Brinks, si jamais il y a dinguerie avec les familles, si vous pouvez être sûr qu'on va prendre un full focus. Au lieu de se dire ça. Bah on sort quoi d'un plus tard au pire non? Moi je m'en bats les couilles. De toute façon dans tous les cas moi je vais rester faire des supérettes. Et après ceux qui sont encore là après si vous voulez entendre quelque chose. Un peu tranquille, on a fait une bonne journée, faut pas. On prend le temps, t'as vu, on remet les meubles comme il faut, on refait de la plata. Tu sais, il y a déjà des gars qui vont arriver. L'objectif c'est 30 le soir. Hein. Vas-y. Ouais. Franchement, moi je suis d'accord avec lui, il a tout dit. Il a tout dit. Il a smoke. Oh ouais. Ah ouais, c'est vrai ça. On est des grands productifs. Moi je pense qu'il faut défendre la prime de Sheldon. Bon, vas-y, et les gars. Attendez. Arrête de crier. Les gars, vas-y, petite pause. Allez vous reposer là pendant une heure et demie. Faites vos trucs, rangez les voitures, etc. Faites des supérettes, chiap, aller faire des trucs. Sinon, et... Vas-y. Au pire, minuit, on repart. Hein, ouais, c'est ça, ce que j'allais dire. Si minuit, ouais, vers dans les coups de minuit, on repart, c'est bon. Vas-y. Vas-y, un minuit. Minuit et demi, un truc comme ça, on se recale. Bye bye. Et check WhatsApp. Check WhatsApp en rapide. Bon, vas-y, mes frères, venez tous de l'autre côté là, on va tous défendre Sheldon. Notre frère. En vrai. Bon, vas-y les mecs, moi je vais dormir. Bonne nuit, je vous aime tous mes frères. Ciao, ciao. Vas-y. Papa, on est gravement blessant. Attendez, je fais un truc. Oh, y'a une moto de sortie ou pas? Non? Ah, d'accord. Ok, vas-y, je prends une moto. Eh, mais les gars, Vas-y, les hermanos, je reviens plus tard aussi ou demain dans tous les cas. Faites gaffe à vous, c'est du mine de rien, c'est bien. Vas-y. Bisous. Attendez les gars, vous savez pas vous. En gros je vous explique. En tout cas, il y a un gars de chez nous, Dagzou, il est recherché pour 1 million. Pour 1 million par la triade. On va se connecter, on va aller le défendre. Et on va faire une cavale, on va se faire focus par tout le monde. Yo Ferris, bien. Attendez. Tu fais mon béton dans la barre et je t'ai fumé, y'a pas d'hasard. Vagos gagne les progos sur la carte au-dessus. Faudrait qu'il y ait un modo. Y'a un modo ou pas?
Je vais faire moi-même. Les modos sont endormis, frère, ça y est. Faut que je fasse ce titre moi-même, faut tout faire dans cette équipe. Ouais, deux secondes, je fais le titre. Un titre putaplic. Oh putain, comment tu fais les parenthèses, wesh. J'arrive même plus à écrire avec mon clavier, frère, c'est trop. Alors, tac. Peut-être ça va dépendre, Bilal. Bah, y avait rien, gros, on attendait pour rien. Faut que je télécharge. Ça y est, il speak là. J'ai mis un titre sa mère. Hop là. Eps, Eps, mon gars, Eps. Et ceux qui se sont fait péter côté Mara, ils sont dans une sauce, mon gars. Ça va leur mettre des prises d'otage x11. Hola, hola, radio. Y'a pas, ouais, y'a pas, ouais, peut-être comme ça. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Y'a pas quelqu'un qui arrive? Ah, y'a une. Non, y'a pas de prise. Regarde, les flics du lait, ça rigole zéro, mon frère. C'est cool de pouvoir jouer sur deux trucs différents. Vas-y, je sors le traiteur, c'est le gars. Ouais, sortez-toi, on va aller se balader, t'as vu. On a des transacs là. On a quoi à voir, qui à voir? Familier, il me semble, je crois. Ok. Faut voir avec eux. Ils voulaient de la mettre la dernière fois. C'est qui a une trousse, s'il vous plaît? Ou des paras? Ah. Radio bien. En RP on le sait pas. Hey donc, Shelton, how are you? Hey. Yo les mecs, comment vous allez? Yo, hello, God bless Shelton. Je vais me chercher. Venez me prendre, s'il vous plaît, je suis devant l'hôpital. J'arrive.
s'il pleut là, s'il vous plaît, venez. T'es où, t'es où? Faisons l'hôpital sud, s'il vous plaît. J'arrive, voilà, j'arrive, j'arrive. Je suis en train d'arriver. Papao, papao. Allez frère, vite, s'il vous plaît, il pleut de fou là, je suis grave mouillé là, s'il vous plaît. J'arrive, je suis en train d'arriver. Et t'es loin ou pas? Là, j'ai passé la planque là. Y'a trop de choses qui nous séparent. Eh, hey, genre, est-ce qu'on a des paras ou pas à la maison? Je suis pas bien du tout la vie. On a fermé. Oui, on a, oui. Scooby! Eh, hey, okay. Arrêtez de gueuler radio, s'il vous plaît. Désolé. Non, désolé. Ah, nous, on arrive, on prend 50. Ben. Mais on fait quoi ensemble? On va se balader, je crois, on a 3 on a transac aussi. On a une cam. Avec qui? Ah, on a quoi une cam? Je sais pas, ce qui paraît Families, non? On a quoi une cam? Si on peut, on fait Vagos. Vagos, non, non, ouais. Je sais pas, il nous doit rester 500, 400. Bah, go contacter F. Hein. Hinton et tout, Hinton et quelques. Vas-y, go voir avec Zach, contacte F. On fait un vague sur la weed. Bon, venez ou je dois vous faire la pute pour que vous venez? Attends, je suis Madrazo là. Tu as liké ça? Ouais, ouais. Ça rigole pas. Qui est à l'hôpital là? Est-ce qu'il peut venir me chercher ici? Je peux aller faire marcher. Ça prend, ça marchera. Là, ça me tague gueule, petite merde, je vais te vendre comme ça. On va aller faire du business, moi et toi. J'ai l'air. Ouais, qu'est-ce qu'on va faire là? Ferme ta gueule, t'es où? Mais ferme, je suis à la station, mais je parle pas avec toi. Je vais, on va vendre un rat là, si t'as 50 000 dollars. Je vais aller chercher, t'inquiète. Eh, mais tu sais qu'à ce qui paraît, un cœur, c'est 200 000. Comment ça? Attends, cœur de quoi? Un cœur, c'est 200 000. Donc en gros, tu vois, un cœur d'albinos, t'as vu le prix trip. Du coup, moi je propose, maintenant on va tout chasser des albinos. Comme ça, on refait tout de suite. Et là. Elle donne des idées après, si vous voulez pas, écoute. C'est les minorités, Damien. Salut. Comment ça, Damien? Non, mais tu connais, noir. Pourquoi les minorités directement là? Parce qu'on est belge, je suis raciste, Yago. Écoute-moi bien. Si jamais les albinos, c'est les seuls blancs noirs qu'on respecte, parce qu'ils sont blancs. Non, ils ont du sang noir, donc on les chasse. Il a raison, les chiens sont encore. Eh, ça fait chier la pluie, sa mère. Tout ce qu'il y a du sang noir ou je sais pas. Du champ, hein. Où ça vient de. Du champ, hein. T'as récolté du tabac, là. Ah, du sang, hein. Du champ de coton. Ah, ouais, du champ de coton, ouais. Eh, la pluie, elle déconne. Et c'est le racisme, là, il est en train de dégénérer mon carreau, là, je sais pas si quoi. C'est passé comment dans l'Afrique, la femme? Ou la vieille, là? C'est l'amour, ouais. Non, je suis à... Yousmo. Mais elle est pas contente. Je sais pas, elle m'a frappé au katana et tout. C'est le fournisseur, hein, bande de chien de merde. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Elle prend mal, je m'en bats les couilles. Mais en vrai, je sais pas quand elle m'a frappé là. La dernière fois. Ouais, on a un truc à faire, parce qu'en fait en RP on sait qu'on a. HRP on sait qu'on a un truc sur lui. Genre gros time, il m'a déjà frappé. En vrai, HRP, il y a un mec de chez nous, il est recherché pour 1 million, je crois. Frappé. Du coup, en RP, bah on sait pas, mais on va se balader histoire de donner la possibilité aux gens de peut-être nous taper. Elle est où la MP5? La planque. On y est, what the fuck, ça pète. Ouais, prends-la, je vais la prendre. Je peux prendre le tech ou pas? Hein? Je peux prendre le sabot d'œuf ou un truc? Prends le sabot d'œuf. Vas-y, passe-moi le sabot d'œuf. Et toi, Shelton, prends le texte. Prends un Glock. Il y a pas de paracétamol au passage. Il y en a un, il y en a un. Il y a un. Et les balles de pompe. Deux Deux mois les 39 là.
Ça me manque rien. Je pourrais pas, c'est trop lourd. Moi c'est bon. On en a plein, si t'en fous un, dis-moi. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont en fait, ils sont où dans le local? Ouais, amène-moi en deux, s'il te plaît, au gosse. Parce que moi j'ai pas les clés, je crois, moi. C'est le local gradé. Tu veux que me donne une truc? Ah, mais y'a des balles à la villa, je crois. Y'a des balles à la villa, vers là. Attends, je pose tout le bloc. Ah, pose. Ouais, les frères, est-ce, genre, est-ce qu'on a un truc à faire ou pas? Des transacts, comme ça, Mikey. De quoi? Avec qui? En vrai, si on assiste, on peut proposer F et. Mais Vagos, on le revoit, non? Ah, en vrai, frère, moi je suis fatigué, en vrai, moi je crois que je vais dormir, hein. Je suis fatigué de fou, là. C'est ta mère, c'est ça? Non, je suis fatigué, t'as rien, t'as rien. Oh, c'est important de dormir. Ouais, frère, vas-y, tiens, moi je vais les faire bisous. C'est ta mère? Oh la pluie, la pluie. Ça glisse trop. Toi t'es taille. Vas-y, venez tous bévitrer, venez tous bévitrer, tous. Eh, parle bien toi. Eh, moi je prends le Rebla, hein, explode. Vas-y. Quelqu'un peut sortir un bloc pour Peter? Ah ouais, t'inquiète. Moi je m'en fous, c'est un vrai. Oui. Je crois qu'il y en a à local gradé. Ah bah, je crois qu'il y a que des Beretta, ouais. Ah ouais, bah tu veux prendre des glocks ou pas? Bah là on est à la villa. Et qui a... Bah je te laisse Tommy, tu y vas ou... Moi j'ai pas. J'ai pas un Beretta plutôt? J'ai pas les clés. Qui a besoin de para? Qui a besoin de para? Si, je vais donner deux Beretta, c'est très bien. Et si... wow les gars, s'il vous plaît, vous consommez la radio là, une ma mère. Ah bah non, on a pas le choix là. Écoute, ça me coupe là, tu veux, vite fait, on règle les derniers trucs là. Vas-y. Parce que j'ai les armes à donner. Et je descends à zéro du coup le tank. Consommer ces cochonous là. Et qui a pas d'armes? Elle est vraiment cool la maison de Dugan. À chaque fois que je suis dedans, je me dis elle est vraiment sympa. Il y a trop de choses qui n'en sait pas. Moi j'ai pas d'armes s'il te plaît. Je peux pas avoir un glove. J'ai qu'un gun, c'est mon arme. Non, je l'ai donné le glock. Je t'ai donné la glock. Envoie un glock s'il te plaît. Frérot, dis-moi, t'as une Merci mon frère, je t'aime. Personne, vraiment. Juste prenez tout à boire, les frères. On prend juste à boire, pas à manger. On prend juste à boire, pas à manger. Tu fais nique ta mère. Ah, mais ok. Encore avoir à manger ou pas? Tout je fais une commande pour la semaine. Je veux la faire. Il a embrouillé des mecs de la triade, je crois, je sais ce qu'elle leur a dit. C'est Daxou, tu sais, il a une fâcheuse tendance à foutre la merde. Oh, c'est incroyable de casser des vitres, c'est pas très RP mais... On est combien là? Y'a pas témoin devant la BET.
Eh, venez tous les vite, ouais. Enlevez vos Kevlar, mais venez. Y'a. 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 Enlevez vos Kevlar, enlevez vos Kevlar. Le gars, vous avez reçu. Enlevez vos masques, enlevez vos tout, enlevez tout. Oh, Paul. Allez, ref, moi j'ai une urgence, là, je dois aller en balle. On est que ça? Non, ouais. C'est vraiment, vraiment, vas-y, vas-y, frère. Non, après, ça. Non, y'a y a Ron, il arrive, Ron, il arrive. Après, moi, ouais, y'a ouais, Peter, il ouais, y'a Peter qui arrive aussi là. En train de se lever. Y'a Peter. Et Carter, il va pas? Carter, je crois que je sais pas. Non, je pense pas. Non, Carter, c'est mort, hein. Je vous jure. Carter, à cette heure-ci là, maintenant, jamais. Rony, il arrive maintenant ou. Ouais, 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 il est. Je pense dans deux minutes, il est là même pas. Mikey, il vient pas, quelqu'un a des nouvelles. Vacances, il avait dit non. On l'a jamais vu, je crois. Il avait dit vacances. Si, si, on l'a pas aux deux, je crois. Il est venu, ouais, une fois. Ah, c'est dingue, vous avez la même tenue, Félix. Et Tommy. Si, si, regarde, ah, il avait dit, je suis en non, vacances. C'est dingue, hein. Ah, il est en vacances. Si, mais il est en vacances, Roku. Bah. Ok, c'est pas oula. Mais là, 13. Ouais, ça va. Salut. Là, il y a Ronny, je crois qu'il donne la radio, c'est ça. Ouais, ouais, Ronny, ouais. On va 15 ans. Vas-y, bah, go comme ça sur le véhicule, cet exemple-là, Rebla. C'est fait. Y'a Hellfire, Traitor, exemple-là. Moi, j'ai Hellfire, il pleure. Hein? Il est pas là, Rebla. Je crois qu'il est pas. Non, ça fait il est là. Il y a Peter et Ronny là. Peter, ah, ouais, Peter il est là, Peter il est là. Traiter. On a juste Ronny puis là. Eh, je mets juste des balles de pompe dans le Traiter. Et... Vas-y, vas-y. Donc, commencez pas, vous rentrez dedans. Oui, oubliez pas. Va tarder. Mettez-lui des balles de berry. Vas-y, viens. Il y a un mec dans la villa. Attends, parce qu'on a une shafter, y'avait un tech. Je suis un cogon. Ouais, y'a plus. Bah, putain, il a. Bien état. Regarde dans les coffres, regarde dans les coffres des voitures. Sûrement des véhicules qu'on a rangés. Dans les coffres, je suis à 100 balles. Normalement, mes cadeaux, y'a tout ce qu'il pourrait faire. Ah, Gabasco, c'est la vie. Faut pas se faire péter. Si je crois que j'ai la clique, c'est bon. Il y a juste des kevs à boire, à manger. Tout le monde a un cave, hein. Pourquoi personne parle de quoi, de qui, de quoi? Je sais pas du tout. Comment ça s'appelle, Charlie? Charlie. Avec quelqu'un en fait un là ou quoi? Mais combien? Le local il est rempli. Il est dana, pourquoi? Vas-y, ben, je sais pas, je suis proposé à mettre un Vagos. Vagos, c'est comme un cave. C'est bah. On a une top 148. Une top 148, même beaucoup plus de mots. Vas-y, ouais. Hein? Vas-y, bah, appelez. Attends. Il est où Peter, il a un Kevlar ou quoi? Normalement. J'ai déjà les deux, okay. C'est parfait. Vas-y, est-ce d'ici à la Transac, vous rangez la chasseur et vous tirez des. Deux Pounders et. Un rebelle. Et j'ai juste un mec qui drop des exemplaires et monte dans le trader. On a une plush shafter grise aussi, hein. Bisous. Va derrière. Non, c'est Charlie, c'est Charlie. Là, Andrew, il est là, mec, t'es con quoi. Mais... Yeah, moi je veux un volant, mais. Quoi, j'ai l'exemplaire au pire, tu veux? Ouais, tranquille, au pire, nique sa mère. Vas-y, on va détenir l'exemplaire. Ça m'entend de vrai, genre. Voiture, tiens, ouais, tu connais. Ouais, Joe. En vrai, on a deux véhicules de 4. N'hésitez, mais je vais sortir une autre voiture, c'est mieux. Ouais, vas-y, sors un véhicule et chaîne Charlie. On a Charlie, il est en train. Moi, faut que je conduise aussi. T'as rien, toi? Non, je suis. Attends, y'a que la Hellfire, je crois, là, ou la Gunflash. Bah, venez, on voit mes canons, on sort de 3 fois et. Ouais, vas-y, viens, monte dans le traiteur. Pas la réponse, ouais, hein. Tout le monde est sur le cave ou pas? Ouais. C'est Ronny, mes canons. Je vais le faire, mon frère. Y'a une shafter, y'a personne, hein, dedans. Et la pluie, j'en peux plus. Hein. Ça
Tu peux conduire ici? Sors pas le fer, sors pas. Mais il y a le chasseur là. Le chasseur vide, mon frère. Mais je la prends, la chasseur, je la prends. Vas-y. De toute façon, on va aller faire les fourrières. Moi, je vais dropper le traiteur, un mec qui le prendra. Je prendrai. Le prends. Non, ah, je prendrai. Tu prendras. Qui monte avec moi du coup là? Ronny. Ouais. T'es où? Shafter, gros. Attends, on s'en fout des deux dans les véhicules. Vraiment. Moi, je vais monter avec toi en vue parce que j'allais faire un bain. Vas-y, va commencer. Vas-y, bah, venez, viens, on va au mécano déjà. Ça sert à rien d'aller au mécano, on a assez de voitures. On a assez de voitures. Si, moi je me réplais. Je le drop le vas-y. Juste, avec moi l'autre. Oh, bande de bâtards, vous m'avez oublié, vous êtes tout chacun. Vas-y, j'arrive, Shelton, j'arrive, calme-toi. T'es où en gros, t'es où là? L'exemplaire reste à la villa et le mec est revenu. On est dans le shifter. Viens, Shelton, viens, mon gros. Vous avez bougé de place. Oui. Bref, arrêtez de pas mettre. Radez, arrêtez de crier. Juste le mec qui a renié, il vient avec moi, tout de suite, c'est tout. Là, j'ai juste récupéré un truc, et je suis là. Vas-y. C'est qui a la villa avec encore? T'es où avec la chasseur là? C'est à moi que tu parles? Non, Andrew. Et arrête de crier, ma gueule. Bon, moi je suis solo dans ma shafter, nique sa mère, c'est pas grave. Si jamais. Attends, tranquille. Juste on finit les véhicules et on finit de la logistique et après on bouge. Vas-y, t'as fait tes bugs. Je fais, moi j'ai pas de retour, je pense que c'est toi qui peux me rendre. Qui la shafter là, Rotos? C'est moi, tu m'as. J'ai aucun bug d'Aiki sur mon live, je pense que c'est toi. Hein. Bah, c'est ton mécano. Ah, allez, y'a le mécano. Vas-y. Vas-y, je suis avec toi. Hop. Moteur. Et voilà. Il y a de l'alcool dans le coffre. On espère qu'il y a du monde qui va vouloir nous taper ou discuter parce que. C'est mieux pour la ville, tu sors sur le même côté. Comme ça, quand le conducteur il sort au bon endroit, bah. Vas-y, montez, ticket tac. Forcément, il sort à mon endroit. Ah, y'a un mec qui court là. Eh, c'est comment, F? Je les appelle. Ouais. Y'a quoi, Clef? Ils veulent de la mettre, je crois. Proposez-leur. Ouais, salut. Ouais. Non. Eh les gars, ça vous dit quelque chose, Shelton Dugan ou pas? Pourquoi? Je m'en parle, non? Non, rien, ok, ouais. Mais non, parce que lui, c'est pas. Merci Drax, merci mon gars. Merci ma boy. Ah, je crois que ça va être un peu chaud pour les familles là. Les gars, pourquoi? Ils sortent de fusillade là. Ah, mais c'est mort. Avec les morts. Ils ont gagné ou ils ont perdu? Juste, tu me répares le rebord, mon frère. Ils les ont déboîtés. Juste, répare-moi le rebord. Juste là ou quoi?
Bah s'il n'y a pas de transac, non. Il y a une moto ou pas? Non. Vas-y, je prends la moto. Attends, j'ai rêvé, il a dit 1 million. C'est quoi l'histoire là? Je peux parler à un mec là, mécano. Vas-y, bon, mécano ou Piristan? Ouais, vas-y, on va faire ça. Marabouta dans tous les sens, et c'est Iker qui mène la danse. Là, il a dit. Les frères, point sur chien. Ici, là. C'est quoi? Là, c'est juste dites-moi, là, est-ce que je le rafale ou pas? Là, je sors mon petit Glock, là, et il meurt, là. Non. C'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire? Du coup, en gros, il y a. Viens dans le rêve, là, Témi, viens. Il y a le frère d'Iker, vous voyez tout ce qu'il disait, Iker, je pense. Ouais, lui, déjà. Il y a son frère qui. Ouais, déjà, il nous a dit qu'il faisait plus business avec nous, bah, super. Dans le rêve, là, Témi, et apparemment, il y a Shelton qui est recherché, les gars. 1 million sur place. Mais pourquoi, pourquoi il fait plus de business avec nous? Parce que. C'est ce truc là. Ouais. Bref, c'est Prince Trader. Moi je fais à 3 legs, j'allume. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, 1 million sur la tête de Shelton. Bon, vous en doutez, même si c'est un petit trou du cul et que il casse les couilles, on va pas le livrer. Mais qui c'est qui paye 1 million? Ça la question. Lui. Il paierait tout le monde qui l'attrape. Voilà. Et il y a tous les gangs sur notre cul. C'est pas chaud, on offre le double ou Kong il ramène des Chinois là. Attends, mais je comprends pas, attends. Mais en fait, vous comprenez pas, vous comprenez pas. Je sais pas, est-ce qu'il est là, je sais pas pourquoi il fait ça. Mais il est où le mec, c'est lui là avec sa voiture là? C'est le mec là-bas. Non mais c'est bon, parle pas avec lui. Bah, ok. Balé, c'est dans la... Bref. Méro là, Familiz, Vagos ou... Faudrait déjà penser à contacter Triad, non? Ah, non, ouais, mais attends. Envoie Familiz. Envoie Familiz, Ronis. Mais c'est quoi la raison? On a... C'est mort pour maintenant. Hein. Et je sais pas, il nous a jugé, il a manqué de respect. Il y a un peu blessé. Ouais. Tu lui as fait quoi là, meuf de triage, quoi là? Écoute, je tous les de la Z. Bref, genre de base, on était en rendez-vous de ça, tu vois, ça parle. Et puis, genre, je rigolais avec un mec, je disais, attends, ouais, j'en ce soir, je sais pas quoi. Bref, elle croyait que je parlais d'elle, tout ça, bref, elle prend grave mal. Et après, genre, on parle en radio et je dis, ouais, je suis sûr de m'avoir livré de ça. Mais bref, pas de soucis. Non, mais moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi c'est eux qui payent 1 million pour elle. Ouais, voilà. Parce que c'est ça, j'ai pas compris. Je sais pas, il y a rien. Mais en gros, là, il a dit, c'est lui qui a mis le contrat sur sa tête. Mais je captais pas la relation entre la triade et. Bah ouais. J'ai capté pas en fait.
Venez, on parle au gars, c'est pour après plus tard ce qu'on fait. Il aurait fallu parler avec Plaga là, je sais pas pourquoi on a pas parlé avec lui. Mais on, non, a, on a parlé avec lui, mais... il veut pas parler. Mais peut-être lui il dit ça, comme ça tu lui donnes les Sheldon et lui il va donner aux Chinois et Là il a dit qu'à cause de ça il aurait pu finir entre la famille Aker et nous, du coup. Donc, déjà... Pour moi il va pas nous payer, hein. Il fait juste la merde, on lui donne Sheldon et il nous. De toute façon on va pas lui donner Sheldon. Non, on donne rien, il peut toucher rien, il a coupé le business de la force. Vas-y, moi je vais tourner déjà en moto. Et s'il aurait pas coupé le business, mais pourquoi la triade revient sur cette histoire si on a bien juste tué Sheldon, vas-y. Arrête ton arme, Sheldon. Arrêtez de braquer avec vos armes au milieu du mécano, les frères. Allez, fermez-la, je parle à la triade là au téléphone. Envoie le numéro là, je vais le débuter. Du coup, madame, vous allez bien vous de votre côté? Ouais, bref. Très bien, je sais pas si c'est vraiment la question, je vais pas vous mentir. J'ai appris un petit truc qui me déplaît là, c'est... Qu'est-ce qui se passe? Arrêtez, faites pas l'enfant, vous savez très bien de quoi je parle. Oh, quand même. Junior, viens à moi. Bah, vous voyez qui c'est mon petit frère Sheldon? Ça vous dit rien, hier, au rendez-vous, Sheldon, coup de katana... Contrat sur sa tête, $1 million. Vous voyez mieux là, c'est bon? Ok, bon bah super. Vous êtes disponible là pour qu'on se voit? On discute? On peut voir après? Bah écoutez, vaut mieux que ce soit plutôt rapidement parce que si c'est moi qui vous attrape, ça sera pas le même rendez-vous, c'est bon? Voilà. Eh ben, j'espère que je vous croise pas. Allez, parti. Je vous ai dit ça? Elle est quoi? Il lui a dit, que je t'attrape. Attends, mais attendez, juste. En gros, c'est simple, on va la péter. Ouais, ouais d'accord, mais attends, moi j'ai une autre question là qui me dit vraiment, ça me transgresse le crâne là. Donc là, toute cette histoire là, c'est pour la dernière fois où Dagzou, quand on a récupéré. Ouais. Arrêtez de passer à autre chose. Bah les couilles. En gros, c'est quand la dernière fois il était parti au Pacific Bluff. Il lui a fait une blague, elle a rigolé avec lui, elle l'a embarqué, et depuis elle fait la nerveuse, c'est ça? Ouais, depuis elle a mis 1 million sur sa tête. Mais comment ça? Mais c'est pas lui, c'est pas elle, c'est Plaga. Et ce qu'il faut pas, c'est qu'on lui a bien dit, tu le. Mais c'est quoi le rapport entre Plaga et. Plaga, ils sont pas les couilles, Plaga, il veut juste le récupérer, il va rien donner, il va le livrer au Chine, il va prendre 1 million. Oui, voilà, oui, c'est ça en fait, oui, voilà, c'est ça. On va marcher dans l'autre. Là, c'est la triade qui ont mis là. Mais oui, c'est pas Plaga. Là, la triade, on s'en bat les couilles. Ah là, ça c'est du bon américain, ça je comprends. Exactement. Et derrière, maintenant, faites gaffe à tout le monde. Ouais. Vous ne faites confiance à personne, vous roulez bien déjà, vous commencez à bien rouler avant que vous... pareil, splittez-vous, 2 max. Ouais, 2 max, splittez-vous et restez pas trop loin. C'est dommage parce que moi on m'avait demandé d'aller en rendez-vous bizarrement, là, je vais y aller. Venez, on va. Je pourrais avoir un bon pilote ou pas, s'il vous plaît, parce que. T'as qui? Jack Andrew. Je rigole, Andrew. Mettez un bon pilote. Il est bon, je rigole. Attendez les gars, je vous propose un truc. Attends, juste un important. Fermez la radio, vas-y. En gros, comme là, logiquement, ils vont juste taper des Dugan. Et s'ils vont taper des Dugan, ils vont dire ouais, il est où Sheldon, mon cul. Et ils vont sûrement vouloir échanger. Et moi, exactement, ce que je vous dis, c'est que tant qu'ils n'ont pas Sheldon, venez, on garde la même version. Sheldon, il a fugué de la villa parce qu'il sait qu'il est cherché. Et il se cache. Même nous, on sait pas où on le cherche. Comme ça, si jamais ça nous tape et qu'on dit tous la même chose, ils pourront rien faire. C'est bon? Vas-y, c'est bon. Donc, quoi qu'il arrive. Jette tes cartes d'identité. Ouais, c'est jette tout. Voilà. Vas-y, arrête-toi là et jette tout. Et il y a un seul gang qui essaie de taper, il touchera pas un gramme de mètre. Hein, oui. Après, pour un million, s'ils arrivent à taper et écrire un million. Et je rejette ton téléphone, on va la mettre constamment. Jette tout. Mets mon téléphone? Ah non, pas ton tel. Non, pas le tel. Après. Non, pas le tel. Je prie ce qu'il y a dessus. Vas-y. Donnez du cyanure à Sheldon, comme ça, si jamais on l'attrape, il. T'as vu? Écoutez-moi. Et Jalala, comme il a dit, après passer 23 heures, c'est 40 000. Donc là, les gangs, en vrai, ils ont passé 40 000 là, ce qu'ils font. Passer minuit, je crois, non? Non, il a dit. Non, au pire, tu veux, j'ai quelques échantillons d'après Fournier Charlie, c'est un peu comme la dissimulation à peu près. Donc, tu veux, je te passe un ou deux grammes, mais c'est 40 000. Ils traînent vers où la triade? Je sais pas, en ville, gros. Ah, c'est tout ce qui est Vainuo, Tito, je pense. Avant, ils habitaient Messin, je sais pas si c'est. Non. Elle est frère, je t'aime d'un côté, c'est pas leur entreprise. Oh! Mais raser le crâne, vous voulez pas? Ouais, j'avoue, je peux te montrer le crâne. Ouais, bonne idée. Vas-y, go. Qui t'en prend en photo? Des ciseaux? Allez, je vais prendre deux cartes JT, je vais m'en passer une au cas où. Vas-y.
droite. Je sais pas. Une moto à gauche qui tourne côté licorne. Mais du coup, là il coûte combien? Il coûte 40 000 là? Là il coûte 40 000 sinon je sais. Ouais, du coup, ils vont. Avant c'était 1 million avant. Eh, il a dû passer minuit les frères. Si jamais. Bah, c'est pas passé minuit, il a dû 23h22. Ah, c'est jusqu'à minuit donc tranquille. Du coup, c'est pareil, c'est quoi? Ça veut dire que Triad business avec nous, tu vois, c'est. Ouais, je sais pas, bref, on verra bien. Quelqu'un coupe les cheveux à Shelton ou pas? Non, ouais, il va le faire. Je vais chez Bill et je fais ça. J'arrive toujours pas à croire que c'est pour cette histoire de la dernière fois là. Ouais, ouais. Ouais, c'est ce qu'il fait pas, c'est qu'on lui a bien dit et si tu veux, tu le tues. Hein. Mais surtout, en plus, surtout que c'était Shelton, il faisait des blagues, il rigolait. Il a un peu eu les couilles de Shelton, donc il a missionné qu'on peut le faire, c'est tout. C'est simple que ça. T'as eu qui au téléphone? C'est la vieille ou la jeune? T'as ou pas Peter, t'as des... Ouais Shelton. Il est bourré, il est bourré. Zach, on pas radio. Tiens. Il bégaye. C'est d'aller écouter un Little Soul, pas oui. Il est pas... Il est... Mais... T'es bourré ou c'est comment? Ou moi? Bah oui, toi. Mais c'est quoi? Il y a un frère et tu parles pas à ma gueule. C'est la vieille ou la jeune, la chinoise? Ah, moi que j'ai parlé? Mais... Oh, oh là, j'ai cassé le tête. Shelton, Shelton. Shelton. Mais... Attends, mais... Je suis la vieille, la vieille, la vieille, la vieille. Oui, oui, tu fais de quoi la vieille, la quoi la vieille? La vieille, c'est la vieille. Allez, allez. C'est laquelle? Laquelle s'est fâchée contre toi, laquelle? Ah, la vieille, la vieille, la vieille. Et si, si genre on la trouve, est-ce que je peux la canner ou pas? On verra, on verra. On verra en conséquence, surtout. Merde, elle met des primes sur ma tête. C'est vrai, par contre, c'est une dinguerie ce qu'elle a fait. Ça l'appelle à sa sens. Non, pardon, désolé. Mais en vrai, j'aimerais vraiment trop les avoir en face de moi qui m'expliquent là. Je... Bah la même. Hein. Parce que on travaille avec eux, on livre des armes pour eux, on fait tout pour eux. Il y a Shelton, il leur fait une blague à un rendez-vous alors qu'elle rigole avec lui. Et après, elle met un million sur sa tête. Non, mais surtout, c'est pas comme si on rigolait de cul à chaque rendez-vous. Mais vas-y, tranquille, n'y a rien. Ah, surtout que tu vois, avant, ouais, t'avais pas d'avertissement en mode ouais, soit tu prends tes excuses, soit on coupe tout business, tu vois. C'est, là, c'est direct, elle fait. Enfin, t'as un million sur sa tête, tu vois. Un million quand même, hein, le frère. Bref. Quelqu'un peut chercher Barry Villain? J'irai Barry. Bon les frères, vas-y, on va le crâne là. J'ai dit plaque à moi, j'ai rien cassé. Moi non plus. Je sais pas, après tu vois comme il y a 3 mois, j'ai rien cassé. Ouais, je sais pas. C'est trop chelou avec Iker, je sais pas quoi, je pense que c'est. Mais il est maintenant lui, ça se voit. Ah. C'est lui, genre, y'a plus de business. Ah, je préfère Iker, tranquille. Ouais, mon gars, c'est Iker. Ouais, Iker, je vais là dans. Arrête, arrête. Ça y est, c'est éteint. Bon, les frères, eh ouais, les frères, vous habillez pas comme des schlags. Les frères, je suis chaud. Il ressemble à autre avec le bordel, moi. Oh la dingue. Oh, lui a passé les cartes d'identité et tout. Non, pas encore. Hey, y'a ouais, un mec, t'es le con ou. Non. Non, y'a des maisons là. Les locales bouffe, je crois. Non. Eh, tu peux lui passer pétard et tout à Barry. C'est lui qui va le chercher. Qui va le chercher? Quelqu'un va chercher déjà ou... Je vais en moto. Vas-y. C'est quoi ça? Je veux drag Kev et Peter. Ouais, en vrai, vous voulez pas passer la moto à Shelton? Je crois que en véhicule, je sais pas ce qu'ils font. Et... Qu'on a déjà pas sûr, pas tant. Non, même pas. Qui va taper avant minuit déjà. Déjà, Barat. C'est un peu, ils ont quoi comme véhicule? J'ai jamais vu ça, 4 mois qu'on t'a fait avec eux, sans problème, là d'un coup y a apparemment manque de respect, sans sommation ni rien, ça met bien sur la tête. Les Chinois c'est tout difficile depuis, ça fait tout. Ils sont bien alors qu'en plus, j'en parle de cul et tout, et là quand j'ai un petit truc... Les gars, essayez de pas gueuler, je vois vous parlez trop pour rien. Je parle normal là. Ils auraient grave pu me canner avant, c'est des trous de balles, ils veulent juste bref. Mais tranquille, tant mieux en vrai. Non y'a rien, tant pis. Après c'est juste voilà le fond c'est un peu dommage. Par contre le truc c'est que si jamais ça se passe comme ça et ça se tire en plein milieu de forum là. Tirer, hein. va falloir trouver une alternative pour les armes. Hein. Je crois y a une je sais pas ce qui se passe mais ça tire de vénère à forum là. On a un bon stock hein. Entre des flics et des hein. Bah je suppose des familles mais. Ouais enfin si continue à mettre tous les gants sur notre dos on va vite perdre le stock. Ouais c'est normal après. Ouais. Ouais c'est dommage. Ouais. Ça va tranquille. Qui viennent les gars. Ça va et toi beau gosse? Oh, j'ai. Ah, mon ami! Ça va quoi? Tu vas bien? Tranquille! Ouais, ça va, tranquille! Bande de BDG! Non, moi non! Faites quoi là? Là, vous faites quoi? Bah, on a vu ça tirer, on s'est arrêté pour voir. Il se passe comment ça tire chez toi? Ah ouais? Parce qu'il y a des flics qui tirent sur ton quartier quand même là!
Non, tranquille, c'est des merdes. Ah, c'est non, vrai, non, non, on a Jeff avec les autres, là, les maras, là, sur le traitement. On m'a dit, vous les avez cassés en deux. Pff, oh là là, ils ont perdu Tech Scorpion Pompe. Ah ouais, ils doivent être contents. Ouais. Mais ouais. C'est qui les maras actuellement, là? Je sais pas, je les connais pas. Moi, ce que j'ai vu, c'est que j'aurais cassé le cul aujourd'hui. Ah bah ça. Ouais. Du coup, tiens, toi, t'as l'air d'être un petit malin. T'es pas au courant d'une prime de 1 million, je sais pas quoi, par hasard. Ah bon? Ouais, t'es. Ah bon? Ouais, t'es pas au courant? Tu peux me le dire, je te dirais pas que tu me l'as dit. Non, j'ai pas au courant. T'es pas au courant? T'sais, moi j'ai appris ça. Tu sais que c'est pour une histoire de, une histoire sombre. Hein. 15 ou 16. Ah bon? Bah tu vois, je crois le mec qui est recherché là. Ouais. Dis-toi, il a fugué. Ah bon? Ouais, il se balade dans la rue. Mais quel bail, non mais ça t'a missionné, ça vous a missionné pour rien, je suis mort. Enfin bref. Ça a missionné, qui nous a missionné? Bah c'est pareil, c'est ce qu'on attend de la rue, mais après t'as pas l'air trop au courant toi. Je crois que tu t'en fous toi surtout. Ouais, moi je m'en fous moi. Enfin bref. C'est dommage que... Ouais non, mais ça, là ça tire au quartier parce que, enfin ça a pas tiré mais... En gros les flics ils ont suivi un bin dans le quartier et... Il y avait tout dans le milieu du coup, c'est pas Joko, c'est aussi de gauche à droite. Ah ouais, je vois le genre. Voilà, c'est tout, mais non, rien de spécial en vrai. Ok, mon grand, bah écoute, si t'es pas au courant de la mission, tant mieux. Hein. On a un bon terme avec vous, on a pas forcément vu que ça se détériore. Mais surtout que bon, on les connaît les Chinois quoi. Okay. Oui, les Shintok là, on les connaît. Allez voir, on peut pas ouvrir le coffre. Hein, donc... Non, non, mais au tequila là. Vas-y, attends, je vais rentrer. Non, c'est un autre perso ça. C'est sur le life. Ça va? Bah, c'est Bourras, c'est Radamel. Ouais, bien. C'est Radamel. C'est Radamel, fameux gosse. Tu sais ce qu'on va faire? Je pense qu'on va se poser au niveau du Mayans Motor. On va attendre. Parce qu'à un moment donné, ils vont les réparer. Ouais, ouais. Bah, je crois qu'ils avaient d'un Vinewood de base. Trop fort, Hugo, t'es trop fort de fait. Je crois que c'est un club de motards. C'est là ou précisément chez Ronnie, c'est je crois où ils habitent. Ils sont là-bas. Vas-y, demande-lui au pire, hein, Ronnie. Hey, Ronnie. Ah ouais, demande. Ils habitent où précisément la triade? Oh, je sais pas dire. Dans Vaillou, ils habitent partout. Ah, on sait pas, ils habitent où. Triade, c'est à chaque fois qu'on les voyait, c'était autour de Vaillou. Mets ça et ils tournent Vaillou. Ouais. Et nous on va se poser au niveau du Mayans et puis si on vient de réparer voilà quoi. Ah c'est les Sons of Anarchy au cas où Tequila là. Ils sont arrière et c'est pas leur club. Juste ils sont gars à côté. Ah ouais ils voulaient un RTV. Ouais. Ouais. Puis viens on répare au passage. Hein. Ok. Le soir. Bah venez on le fait maintenant. Bah t'es pas allé devant le club? Dans le club et devant aussi. Je suis posé dans le club, normal. Prends des mines, Bah, vous avez pas sûr que vous prenez les nus, mais on fait rendez-vous maintenant. Les nus des choix. Sors, monsieur. Sors, mon sort. C'est quoi les joueurs là? Sympa, un dispo là pour une. Ouais, il est bien. Pour une réparation. Bon, mais il veut le rendez-vous, mais. Bah, il est occupé là pour l'instant, le mécano. Bon, on va faire un tour, on en aura plus tard. Il y a des gens que tu imagines qu'ils voulaient pas le parler. En vrai, elle est pas morte là, c'est la question. En gros, Tequila, il y a une soirée, il y a le gouverneur dedans. Et les Sons of Anarchy dedans aussi. Pardon. Tour de deux ou pas pour lui donner le baril? Il y a beaucoup de pinches sa mère. Ouah, sa mère, je suis KO. Il y a une Buffalo F qui remonte, putain. Moi je viens de parler avec un familier à côté de chez lui là, il m'a dit qu'ils s'en battaient un peu les couilles de l'histoire du contrat quoi. Après bon il peut me dire ça et faire l'inverse mais ça se voit qu'ils s'en battaient les couilles quoi. Oh là là, et tous les fêtes qu'il y a à l'hôpital. Le monde à l'hôpital. Tous les fêtes qu'il y a. Il y a même le ta mère. Hein. Non, c'est... Je suis Mara sur le light et Dugan sur le life. C'est deux trucs différents. Je fais les deux. Une voiture de deux ou pas, Radio? Ouais, nous. Vas-y, je vous donne les barils. Donne-moi Barry, donne. Barry, t'es trop mon frère, gros. Vous êtes zéro? Hôpital, il est où le petit haut? J'arrive. Salut! Salut, mon loulou! Bye! Salut, bye!
Marie, je te coupe les ici. Moi aussi. Je suis juste en face. Marie. Ça veut dire que Vainou, t'as plus personne là. Eh, je viens de ramener un barrage chez lui, apparemment il est pas au courant. Maintenant, méfiez-vous toujours. À ton moment, il m'en touche à pain. Ouais, c'est possible, c'est possible. Ah, juste méfiez-vous. Il monte zéro vers Vainou. Après, à tout moment, ils étaient sur ses côtes au début quand il y avait 1 million, et là, vu que c'est 40k. Il a 40k, ouais. Là, ils savent que si c'est 40k alors qu'ils vont perdre un business de net. Un peu relou. Eh, y'a les White, je sais pas quoi, ils te rendent. Eh, tout ce qu'il faut retenir dans cette histoire, c'est qu'il faut qu'on attrape la triade et qu'on leur mette la misère. Ouais, c'est deux skinettes sur une moto un peu chelou. Ouais, et ils parlaient mal des noirs. Donc, ils sont où? Ils étaient en face de l'économie. Bah, tout le monde, c'est pas. Ah, c'est juste de skinhead, grand blanc. Et Zach, c'est qui que t'as eu au téléphone, la vieille ou la jeune? La jeune. Et elle, t'as fait la grande folle, je suppose? Bon, non, elle m'a dit que oui, je vois qui c'est, machin. Et après, elle m'a dit, ah là, je peux pas vous voir, je suis occupé. Vas-y. Vraiment occupé, toute la journée? Vraiment. Et vas-y, je suis à la sortie, je suis à la sortie de l'autoroute, là, t'as capté? Ah, il y aura peut-être un RDV, le frère, dans 30 minutes. Avec qui? Avec qui? SOA, non? SOA? Vagos, s'ils veulent nous voir, on va faire un rendez-vous. Ah, on va les voir dans peut-être 30 minutes, s'il y a leur chef. Ouais, s'il y a leur chef, il m'a dit on fait un RDV. Mais du coup, c'est quoi? C'est un gang? C'est un. Ouais, c'est un gros. Ils font de la weed. Okay. Ils font de la weed? Ouais, la White Giant Haze. La vieille, je suis grave choqué qu'elle ait réagi comme ça, parce que d'habitude, quand on rigole avec elle, avec Ronnie, il n'y a aucun problème. Elle rigolait, rendez-vous. Hein. Ouais, avec Ronnie, il n'y a aucun problème. Et là, avec Shelton, bah. Pas grave. Et vas-y, venons, on rejoint tous un endroit, on va aller en rendez-vous avec les Vagos. On va vas-y, on en, c'est nous, on envoie la pause. Hein. Ouais, j'ai dit. Vas-y, venez. Ouais, c'est mamie. Est-ce qu'on garde nos armes de sorcier ou pas? Oui. Bah oui, tout le temps. Même Kevlar, hein. Oui, Kevlar. Venez, barrage. Vas-y. Ah, tu prends le bon côté du barrage alors. T'inquiète. Ah merde. Elle est bien votre char là? Allez. Ouais, ça va. Ça tient. Il y a quoi sorti, la pompe et MP5? Il faudrait que je refasse des moteurs pour la maison, Pierre. Ouais, c'est pas cette techno bien. Non. On pourrait, mais nique. Ah ouais, si on voit qu'il y en a quelqu'un sur le dos, oui, mais sinon, non. Oh la chère. En vrai, si il y a des gens qui veulent nous taper, on ira sortir. Merci, Hugo, pour les objectifs de la mobilisation. Je préfère sortir qu'il reste dans un coffre, en fait. Ouais. Faut pas oublier que là maintenant, les armes, ça va être difficile. Merci, la Fafa. En plus, on n'a pas pu commander notre deuxième commande. Dis, on fait un test, on commande une auto pour voir si on ira juste. Ils vont pas là. C'était pas à droite qu'ils voulaient aller, peut-être? Ah, je sais pas, mais en fait, je regarde pas que Jason, il est fait tout merdier, gros. Bah, la même, hein. Une pépite. Non, voilà, c'est un cauchemar. Et le pire, c'est que c'est même pas de sa faute, c'est le gars qui est parti pour le prendre, hein. Ouais, déjà, c'est je vais revenir avec eux, et après, elle fait la mallette, vas-y, tranquille. Quand t'as une idée? Elle a vu ma mère, si. Je veux qu'on l'attrape pas. Vous êtes tous sur ma pause? La fille de ma mère, je la fais sauter d'un pont. Hein. Si c'est compliqué avec les gens, on va peut-être avoir ça quand même. Et de toute façon, là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils nous ont déclaré la guerre au final. Hein. En soi, oui, c'est une guerre. Hein. Donc maintenant, le business d'armes détruit de la traîne, il est à nous. C'est une guerre explicite. Eh, juste le guetteur moto, guette bien. Je vais vous déposer d'abord ma veille, je pense. Pas gosse. Il a juste porté sur les hauteurs. Zach. Du rat. Oui. Tiens, prends le mine d'avant. Oh là là. Ça te fait envoyer la pause une fois que tu le sens. Mais là, c'est impossible. Il t'attrape. 62. Mets-moi une casquette, s'il vous plaît. Toi, tu veux la clé white, toi. 62. Tiens, tu veux la clé white, Andro, j'ai ça si tu veux.
Un truc américain, un truc américain, un truc américain, t'as pas? J'ai pas un truc américain, je crois, toi. Pas un truc. Ah bah. Non, je pense. On va niquer ta mère comme ça. Putain, c'est un peu moche. Enlève le cave, Non, mais cave. Pas maintenant, mais qu'ils arrivent. Ça rien de mettre maintenant, tu remets les flics qui passent. On s'en bat les couilles, frère. Vous enlevez les kevlar et avant qu'ils viennent, tu mets. Mais pense comme ça, descendre là, pourquoi tous en haut, descendez. Personne ne monte en haut, les gars. T'as vraiment une tenue de salope, hein. Habillez-vous bien, allez. Habillez-vous bien, les frères. Mais là, ouais, c'est une tenue de fils de pute de barbare. Ah, mais c'est grave moche. Parce que le bas, c'est un rouge foncé, le haut, c'est un rouge plus clair, c'est grave laid. C'est. Je sais pas, tu joues à quoi. Ouais, la vie de ma mère, t'es grave moche. La vie de ma mère, t'es grave moche. Yeah, right. Eh, commencez pas, je vais sortir mes tenues là, vous allez. Ah, très gueule, ça fait gueule. Là, t'es beau. Et on les voit pourquoi, ils veulent quoi? Rendez-vous. M'a dit j'ai récupéré ton téléphone dans le téléphone des anciens. Au revoir. Ah ça va, oui, j'avais oublié qui c'était les bagos, sa mère. Ça y arrive, grand-père là. Il a 40 ans. Pas, les gars. On a vu un peu la sa mère. Y'a pas à mourir comme ça, y'a pas. Y'a pas. Parle pas de mourir alors que avec t'es 1 million sur la tête là, ça l'a dit gag, va. Il veut que caler, ouais. Dis-moi, il est passé. Je suis passé de trop de balles. Là, t'as 40 000 là. Là, gars, 40 000. Dis-toi, là, tu vaux 400 mètres. Ouais. En vrai de vrai, j'ai l'impression qu'ils font juste une vieille blague là, tellement c'est pas logique, genre. C'est une blague, hein. Y'a aucune logique à mettre 1 million sur leur tête. Non, la tête d'un trou de balle surtout. Bah ouais. Mais c'est ta mère, t'as la seule crack. Ouais, ça va, c'est la bagarre. Pardon. C'est les vagos. Il bat mon père, les gars. Ouais, bien. Jean-Claude Wilson, la famille du Gann. Enchanté. Je suis le chief. C'est le chief. Vous voulez un rendez-vous, non? Vas-y, Zach, tu peux envoyer. Y'a pas de chief. C'est le chief. Ok, ça marche. Il est l'unique chief. Ronnie, c'est moi. Je vous envoie une petite position, commencer ouais, à utiliser leur. Regardez, il tape. Il est beau, mais qu'est-ce qu'il a le négro là? Arrête! Oh! Merde! Et ta seule qualité c'était de toujours être là, ça le fou. T'en es où, Ronnie? Un malade, mais. J'ai aucun effort, je te crie. De fou. Oh, c'est qui le corbeau derrière? Il y a un corbeau noir derrière. C'est un ouf le daron blédard. Ronny, t'en es où? Ouais, moi qui aime faire. J'ai envoyé. Mais toi, t'es où? Les frères, vous en pensez quoi? Y'a pas, tu m'as manqué, Georges. Hein, Georges? Eh, disais-tu? Il est là, je. Tu me manquais. Il nous a manqué, les gars. Comment ça va, lead the way aujourd'hui? Lead the way. Tcha, on est 17 pour moi, on est prêt. Juste la bite après. Oui. Ça va, Barry? Barry! Oh, sûr, attends, je peux parler à Barry là! Barry! Il m'a truqué là. Barry? Il y a plus le comptable, Barry. Par contre, je vais le fumer. Le comptable est plus là, Barry. Oui. Yes. Putain, quel salaud ce Barry. Oh là là, je vais me réveiller. Vas-y, va derrière, Barry, va derrière. Va derrière, mon gars. Non. Et mon gars, va derrière. Bien, Peter. On va voir Speedou. Non, les gars. Oh. Elle est bonne celle-là. Elle est, ouais. Elle est bonne comme ta mère celle-là, Georges. Ouais. Bien dit ça. Ah, pourquoi y'a un pigeon là? Très gravier, ta mère a pu son père. Parce qu'il avait été sous, C'est un aigle là. C'est pas drôle, non, c'est pas drôle. Arrêtez. C'est un aigle. Eh, gros, c'est un aigle. Quoi?
Ouais, regardez WhatsApp, tout le monde. Ouais, je vais voir. Cochez si vous avez compris. Je peux pas, bah, 3. Bah. Trop relou, je peux pas cocher. Putain. Ah, j'ai pas compris, moi. Ah, s'il te plaît, tu peux réexpliquer. Ben, redis, s'il te plaît, ici, à haute voix, s'il te plaît. Parle plus fort, parle plus fort. Oui. Vous êtes des comiques, vous? Non, on est des mecs marrants. Oui. Mais par contre, blague à part, vraiment, les Chinois là, faut les attraper, les mettre contre un mur et qu'ils nous expliquent H plus B pourquoi la, c'est comme ça. Hein. Mère, vie, hey, il est devenu fou, qui prend son arme, il braque partout, regardez, il est devenu fou. Putain, il est devenu fou. Hein. Non, mais j'ai juré, non, mais attends, et... tu mets pas un million sur la tête d'un minot, tu sais pas pourquoi. Genre. Vas-y, viens de passer l'entrée là, le gosse, il arrive. Eh, mais t'es pas les véhicules en barrage, on est pas en guerre. Mais si, laisse. Eh, on s'en fout. En vrai, actuellement, on est en guerre avec tout le monde, en vrai. Hein. En vrai, ouais, mais... Tant qu'on n'a pas discuté avec un mec qui nous a dit on n'est pas contre vous, on est en guerre avec eux. Mais après, ils peuvent dire ça, il y a une baisse de merde derrière. Oui, mais bon. J'ai jamais tout peut arriver dans la vie. Ah, Barry, je t'accompagne, je t'accompagne. Ice, je t'accompagne, Là, j'ai grave pas... Toi, t'es trop tombé, t'en fous arrête. Ice. Tu vas te faire mal, hein. Tu vas te casser la cheville, là. Casser la cheville, là. Les gars, je crois que je les entends, là. Et réveille-toi, les... Vas-y, c'est nous la clé, c'est nous. C'est en là. Ils vont arriver. Ils sont là. Vas-y, avancez-vous, avancez-vous. Burger. Pas tous. Mettez-vous pas en ligne. Enfin, écartez-vous, prenez l'espace. Et avance-toi. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre américain. En ligne, les gars. Nous sommes en guerre. Tu rentres à l'église. Ouais. Où est-ce que c'est dingue? Où est-ce que c'est? J'ai pas de bon keb, ouais. Salut. Vous allez bien, tranquille? Salut. Ouais, ça va. Désolé, petit comité d'accueil, mais bon. On a appris des petites nouvelles qui nous réjouissent pas trop, je vais pas te mentir, donc on prend nos précautions. C'est pas contre vous personnellement, hein, bien entendu. Y'a pas de galère. Ah, vas-y, dis-moi. Vas-y. Deux secondes, je désactive ma radio. Ouais, pas de soucis, c'est toi le chef? Non, moi je suis Teniente au sein des Los Santos Vagos, m'aurait fait la papuette là aujourd'hui, donc c'est moi quel qui vais dommage, faire la présentation. Ok, donc, ça marche. Je me présente, moi c'est Nino, voilà, Teniente. Enchanté. Comme j'ai dit. M'aurait il a pas pu être là. On a changé les têtes, c'est une nouvelle équipe et j'ai fouillé un peu dans les anciens téléphones et j'ai trouvé le numéro du gun, ça m'a intrigué et j'ai appelé et voilà. Ok, ça marche, pas de soucis. Mmh. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce qui est arrivé aux anciens, tu sais, au courant un petit peu? je te cache pas, j'ai même pas eu le temps de retenir les prénoms des gradés tellement ça allait vite, mais... Tu peux un peu m'éclairer? Une fusillade, je crois, avec la LSPG. Hein. Si mes souvenirs sont bons. Ok. Qui a mal tourné. Ouais, ça finit en bain de sang. Ok, ça marche, pas de soucis. Si tu voulais savoir un petit peu comment ça se passait avec les anciens, voilà, nous on vous vendait des armes, on vous vendait énormément de mètres, on vous livrait en calibre, etc. Donc. Voilà, après toi, je sais que t'es pas forcément apte à prendre la décision tout seul. Si vous voulez continuer comme ça, nous, pour l'instant, ça nous dérange pas. Ou bien si vous avez des remarques ou des suggestions à faire. Maintenant, moi, j'ai un petit point d'interrogation là par rapport à toi. Je pense que t'es au courant. Il y a une prime sur l'un de mes frères. Ouais. Je pense que cette prime est assez élevée. Bon, apparemment, à partir de minuit, elle passe à combien? À 40 000 dollars, si je ne me trompe pas. Ah, c'est ça. Du coup, je pense que vous et tous les autres gangs, le temps est compté. Notamment 15 minutes, on est d'accord. T'as eu les mêmes infos ou... Moi, j'ai pas eu d'infos de 40 000, je sais pas quoi. Ok. J'ai entendu un nom vite fait en radio. Ouais. Famille avec une prime. Pas te mentir, ton business il m'intéresse plus que de choper ton gars. Ok, parce qu'écoute, après voilà, j'imagine bien, c'est, comment dire, la triade notamment, avec qui on était en très bonne entente,
qui vous donne des chiffres astronomiques pour récupérer leur bien, c'est alléchant, je vais pas te mentir, moi j'aurais, ça, j'aurais fait la même chose. Maintenant, voilà, comme je peux te le préciser, les modalités, c'est à partir de minuit, ça passe à 40 000 $ la prime. Maintenant, moi, je sais pas ce que tu avais pensé de base, ce que vous comptiez faire, si vous comptiez nous attraper, nous fusiller tous et récupérer notre gars. Je vais être très honnête avec toi, hein. Le nom que j'ai entendu, je l'aurais eu en face de moi, 1v1, je l'aurais attrapé, je l'aurais mis dans le coffre. Après, maintenant, okay. T'es là devant moi, MP5, fusil à pompe, je vais rien te faire du tout. Pas non, mais je comprends. Après, voilà, moi, comme je vous ai dit, hein, depuis le début, c'est pas contre vous, mais tu te doutes bien, nous, on est venu nous voir, on a dit, ouais, il y a tous les gangs sur votre cul, bah forcément, quand je vais pour un rendez-vous avec un gang, notamment avec les personnes qui ont changé, je me méfie, et puis je peux... Voilà, hein, je sais pas trop à quoi m'en tenir. Maintenant, voilà, comme je t'ai dit... Un mec qui prend la moto, il enlève Kevlar et qui gâte. Maintenant, comme je t'ai dit, nous, on avait une très bonne relation avec vous depuis le début. On vendait des armes et de la mettre. Marie, prends la moto, s'il te plaît. Si vous comptez nous taper ou autre, vous toucherez jamais rien de tout ça. Prenez-le bien. Gâte. C'est le fallait la taille à gauche et on a pas de code. Enlève ton Kev. Et juste pour savoir, c'est qui t'a missionné? Qui c'est qui t'a appelé, toi? Pour te dire ça? Personne m'a appelé, on m'a tenu au courant. Mais qui et comment t'as tenu au courant du coup? Mon réfé, j'ai entendu. Et qui lui l'a tenu au courant? Enfin, la question c'est pas, ça. Il faudra pas parler avec lui. Bon, écoute, c'est une bonne info à savoir pour le coup pour après. Ouais. Dis-moi, imaginons là que tu chopes le gars en question, t'en fais quoi? Tu le rapportes à qui du coup? Parce que tu dois bien avoir un point de contact, quelqu'un contacté si tu chopes le gars en question, non? Tu ne vas pas juste le garder chez toi. Après, comme je t'ai dit, c'est pas moi qui t'ai tenu au courant. Ok, ça marche. Ok. Je ne serais pas occupé de la livraison. Ça marche. Bah si jamais t'as d'autres questions, n'hésite pas. Ouais, bah du coup, pour parler du business d'avant, s'il y a moyen de le relancer, ça repart à zéro ou les mêmes prix qu'avant. Il y a une commande notre point de vue. En vrai, là-dessus, je vais pas te mentir, je préfère en discuter avec ton réfé et le bras droit directement. C'est pas contre toi, hein, mais c'est juste que voilà, au moins je préfère que le message soit passé à tout le monde plutôt qu'il y ait des infos qui circulent à droite à gauche que personne n'ait les mêmes infos. Maintenant, si je peux donner une autre idée, la mèche, je crois, vous la faisait aux alentours de 108 ou 106 dollars, je saurais plus trop te dire. Et concernant les armes, c'est un peu normal, il n'y a pas de souci avec livraison sans stock. Ok, vas-y, je note ça, j'en informe au préfet et on fera un autre rendez-vous du coup. Ouais, bien sûr, quand il est là, quand il est disponible, tu me tiens au courant. Ouais, bah demain, je discute avec lui. Ok, il y a une moto au-dessus de nous, non? Mais de toute façon, Chief, pour le moment, tant qu'on n'a pas réglé le problème avec cette histoire-là, on va pas pouvoir faire de business ou quoi que ce soit, tant qu'on les a pas. Je préfère vous prévenir aussi. Donc, tant qu'on n'a pas réglé le petit souci là, avec la triade et que je les aurais mis à genoux devant moi, pour l'instant, nous, on va. Ouais, je suis Maralite. Et vous, tu expliqueras en DM, Bras, mais si tu veux venir, mon gars. On verra ça en temps voulu, quoi. Et dans tous les cas, voilà, il faut que les deux conditions soient alignées, que je vois ton réfé et que nous on règle notre histoire de notre côté. C'est bon pour toi. Vas-y, je transmets tout ça et je pense qu'il sera d'accord. Vas-y, parfait, ça marche. Bah, si tout est bon pour toi, c'est bon pour moi, je vais y aller. Hein. Vas-y, nickel. Bah écoutez, en tout cas, c'était un plaisir de vous voir. Et puis, j'espère que vous durerez un peu plus que l'ancienne équipe. J'espère aussi, juste il y a quelques numes en plus que je peux prendre ou juste le tien et Ronnie. T'as le mien, Ronnie, et vas-y, Félix, donne le tien. Le mien, vas-y, tiens. Tommy, 14568. 14558, Tommy. 568, ouais, Tommy. Putain, elle est partie. Ah, c'est elle. Ah non, attends, je sais pas si. Et je suis le mien aussi. Félicitations. Félix. Vas-y, ça marche. Vas-y, bon retour, les gars. Bon courage. Et puis à plus tard. À plus tard. Hey, Zach. Oui. Ouais, je suis à côté de toi là. Et en vrai de vrai. Regardez les keufs pour le moment. Ouais, regardez les keufs. Oh, bon, j'enlève, mon fou, de toute façon, je sais pas tirer. Il est là, en gros, moi, le mieux, c'est qu'on va les taper. Est-ce que vous pouvez parler radio, s'il vous plaît? Hein? Ah, bah, si ouais, au pire, je vais pas les radios, vous venez monter dans les coachs, prendre les voitures. Eh, voilà, chauffeur. Eh, mais en vrai de vrai, donc en gros, là, à mon avis, tous les gangs, ça va être la même. Hein, ils vont pas se mouiller pour 40 000. Et puis, de toute façon, ils savent que c'est pas que c'est mieux d'avoir de la mettre tous les jours que d'avoir des trous de balles qui te donnent un million. C'est sûr. On fait quoi? On split là?
Ouais, attendez, juste on descend. Là, on sort du barrage, on se met. Vas-y. Donc je disais, moi en gros, là ils sont juste mis dans la mer la triade. Maintenant j'ai une question, juste, on est d'accord, c'est eux qui livrent les armes, c'est ça? Ouais. Et on faisait la transition, c'est ça? Ouais, bah en fait, ouais. Les triades, on est les passeurs en gros. Nous donne la commande de. C'est plus comme ça à la fin. En gros, nous on livrait de notre stock et eux nous remboursaient du stock. Ça veut dire, on livrait quand on voulait et c'est pas eux. Genre, ils nous donnaient pas les armes et après on livrait, tu vois. C'est nous, on sortait les armes de notre cul. Ouais. Et après, ils nous rendaient, ils nous remboursaient en gros la commande, tu vois. Ouais, je vois. Mais... Le truc là, c'est que si on a confié avec eux, bah, il y aura plus de ça. Hein. Non, mais en fait, moi, ce que je pense qui peut être bien, t'as vu, c'est t'appelles tous les gangs. Demain, pas maintenant parce que ça pue sa mère, tu vois. Imaginons ce soir on n'arrive pas à attraper les Chinois parce qu'ils vont aller se cacher dans une cave. Eh, demain, je sais pas, 21h, 22h, je m'en fous, l'heure qu'il est, on s'en fout, mais tu fais un rendez-vous avec tous les gangs, tu les ramènes, tu leur dis voilà, pendant que eux ils vous misent. Attends, juste enlève ton cave la moto. Vas-y, arrêtez-vous, enlève le cave. Vas-y, arrêtez-vous. Va les suivre, Stan. Mais ils m'ont dit, on split. Non, mais suivez. Oui, on split, mais on parle de convoi. Non, parce qu'il y a Ronnie, il me dit, fallait suivre. Non, il y a rien. Vas-y, bah, dis-moi l'exemplaire, non, on va bombarder. T'as cagoule, je crois que c'est pareil. Laisse-moi, je bombarde avec l'exemplaire. Vas-y, bombarde. Du coup, je disais, on convoque tous les gangs que t'as vu. Et on leur dit, écoutez, on leur explique carte sur table. Vous avez bien vu, vous avez été missionné pour rien, parce qu'au final, c'est 40 000. Et derrière, nous, en fait, comme tu m'as expliqué, nous, on vous fournit les armes pendant qu'eux, ils font rien. Et on change la donne, on saute la triade, et sinon, on prend les armes, on les baisse tous. Qui s'est fait enculer? Parce que là, on les chope la triade, on va leur faire quoi? Parce que c'est bien, je sais bien beau que si Shelton il la jette d'une falaise, mais ça sert à rien au final, ça pue sa mère. Oui, non, bah oui, c'est 3 millions. En fait, là, on les chope, faut qu'ils mettent fort au contrat déjà. Et pour moi, faut qu'ils. Mais le contrat, il est à fond. Il se fâche à terre, parce que. Le mec qui dit qu'ils vont pas le prolonger, qu'ils vont faire quelque chose d'air, tu vois. Clairement, il pourrait faire quelque chose d'air. Mais les gars, moi je vous le dis, le contrat il tiendra jamais la route. Il va jamais être fini, pour moi. Parce qu'il tiendra jamais la route, il va jamais être fini, pourquoi? Parce que de toute manière, les gangs en fait, ils ont le choix de venir taper autant de fois qu'ils veulent s'ils veulent. Là en gros, s'ils voulaient vraiment taper, ils seraient déjà venus à 40 sur notre gueule. Là en gros, ils savent juste très bien, ça pue sa mère d'aller taper des mecs avec des Kev et avec des automatiques pour au final gagner de la thune, mais ils savent très bien la traite, c'est des trous de balles. Ils savent qu'ils sont nuls à chier. Jamais ils vont s'attaquer, donc je sais pas. Ouais, faut juste trouver un truc à faire si jamais on les a contre un mur, les Chinois. Parce que si on les a contre un mur juste pour leur mettre des baffes, c'est-à-dire on n'est pas des gangsters de bas étage quoi. Bon, c'est des gens qui vont travailler, tu vois, donc je trouve ça. Parce qu'il me pète les couilles, c'est que là on passe d'un extrême à l'autre, tu vois. Bah non, du jour au lendemain, c'est ça. Ouais mais c'est eux qui l'ont voulu. Je vais rappeler la meuf de la triade, je vais demander si le maître il est là, parce que lui au moins... Ouais. Parce que vas-y, parler avec les meufs, à tout moment, tu leur pètes une ovaire. Ouais mais tu vois le problème Zach c'est que au-delà de ça, moi je sais très bien ce qui va se passer. Tu vas parler avec le maître, lui il va parler de chill, il va dire ouais nanana mon cul c'est du poulet, ça va s'arranger, mais ça y est comment ça va s'arranger, tu nous mets une prime d'un million sur la gueule et le lendemain ça va mieux, non ça marche pas comme ça. Justement, essayer de trouver une solution, que lui nous donne quelque chose par rapport à cet affront. Et parce que en soi l'affront le Shelton il a déjà réparé, l'autre lui a mis un coup de katana et ça y est tu vois, trois autre chose. Trois coups de katana voilà. Donc en soi, là, c'est plus eux qui nous font un affront que nous qui leur manquons de respect. Hein. Mais même, on est. Je suis un gangster moi pour m'embrouiller pour des histoires de Shelton qui embrouille une meuf. On s'en bat les couilles. Même demain, lui met 4 coups de katana, ça veut dire que tu remets en cause tout un business d'armes et de trucs parce que machin. Ça y est. C'est que Plaga, il a dit que c'est lui qui a mis le. C'est faux. Ça n'a aucun sens. Mais il faut savoir. Bah, c'est pour ça que je voulais pas laisser partir tout à l'heure lui. Mais arrêtez. Vagos, ils ont dit, il sait très bien qui c'est. Venez, on parle à un autre gang, je sais pas, il y a qui d'autre. Ouais, vas-y, si tu veux. Hein. Bah, vas-y, appelle les familles. Ils sont blessés, on va chez eux, je sais pas. Ouais, au pire, on fait ça. Vas-y, j'appelle. Eh, faut juste vraiment savoir, on s'en fout chez eux ou pas, ils nous braquent, c'est sa mère. Bah, après, s'ils nous braquent, on est baisés quand même, donc bon. Non, faut pas qu'ils nous braquent. Ils sont blessés, ça fait qu'ils sont blessés, frère. Ouais, bah, tout le monde, ils ont appelé quelqu'un, je sais pas quoi. Mais je sais pas, en vrai. Bon, on va pas aller chez eux. Ouais, ça pue sa mère. Kevlar et tout ça, non. On va pas aller Kev, non. Eh, t'as même pas besoin de rendez-vous, allez, je t'appelle au pire. Ils sont place des culs. Vas-y, bah arrête-toi devant. Il y a des barrages qui les poursuivent. Dernière minute, les plus poursuivent. Mais le Plaga, il fallait vraiment l'attraper pour lui demander vraiment exactement c'est quoi l'histoire. Parce que lui, il sort de nulle part et nous dit ouais, 1 million, mais on sait pas nous. Ouais, c'est genre le business. Comme s'il y avait un business, c'est genre business. Juste avant, il nous donnait des missions. Vous avez salé une fois. C'est ça. Et il est marrant, c'est pour ça qu'il m'a dit une fois pour business. J'ai dit, mais comment ça, business? Ok. Business, quoi, tu n'es pas coupe, hein, mon gars.
sais pas, il est passé le F, ni sa mère. Salut là. Non, hey, il y a un balade sur son quad. Quoi, vous voulez que je parle? Ça, vas-y, vas-y, parle-lui, parle-lui. Parle. Vas-y. T'es où? Il est... Place des cubes. Vas-y, c'est bon. Je fais que toi. Bombarde direction hôpital. Juste fais gaffe, il y a des flics, qui veulent t'attendre. Ah, je le vois. Ah bah les marins. Il est à l'hôpital? Ouais, hôpital. Demande un num, je sais pas. Radio, vas-y, parler avec le balance. Ouais, vas-y. Ouais, frère, attends, vas-y. Mets-vous sur le côté, les frères. Viens, le balance, c'est le traiteur. Venez tous. Le reste, venez tous où je suis là. Je sais qu'on arrive. Ah, vous êtes tous sur lui, juste, je sais pas. Vous êtes où? J'arrive en voiture. Pas besoin. Si, moi j'aurais dû venir. Bah non, pas besoin. Genre là, je vais m'endormir. Merci. Vas-y. Mais il est pas en ville, il est en véhicule. Ah, mais. Il est seul. Il est seul à la ville. Ah, vas-y, viens, reste. Mais oui, il trouve pas. Viens, hôpital, viens. Vas-y, genre. Eh, j'ai pris 155 ans. Hein? Comment ça? Vas-y, vas-y, toi. Chut. Oh là. Non, mais c'est une dinguerie, ils font parler. Oui, mais c'est pas ici qu'ils font parler, t'as capté. Morceau de métal ou. Arme de cuir. On est passé chez les familles, ils n'envoient personne pour moi. Enfin, pas de personne qui sort quoi. Là, on prend un Nimbala ça. Vas-y. Mais de toute façon, je pense que ce soir, dès qu'on va dépasser minuit, ça va être dead. Hein. Même après minuit, c'est toujours 40k. Hein. Ouais, mais tu peux pas 40k contre un business de maître et un business d'armes. Ouais, mais. Attends, il y a bien derrière. Mais après, moi, je vais dormir après. Hein. Bah oui. Ah, bah tu dors rien. Ouais, je les aime bien, mais bon. Non, mais en vrai de vrai, il faut juste réfléchir à un plan de qu'est-ce qu'on peut faire pour niquer la triade. On en parle après. Ouais, tranquille. Parce que ça y est, je joue avec nos couilles aussi. C'est bon, t'as le num? Bon, apparemment, d'après le balade, je suis un négro et il va passer le number à son OG. Vas-y, à chaque fois, c'est le traiteur, là, je suis là. Milly, j'ai des familles, le traiteur, Venez parler. Mais il n'y a pas de gradé, hein. Ok. Oh putain, la gueule des familles. Ah, mais c'est un marin, là, devant le balade, non? Les homies. Eh hey, mais toi Ronny, t'entends bien avec eux de base en plus, non? Avec qui? Avec les Chinois. Mmh, ouais, mais là c'est fini. Là c'est la guerre. Là. C'était gentil de fou, hein. Mais dans ma tête, là, c'est fini. Là. De base, hein. J'ai même pas capté parce que j'étais là, mais c'est quand j'étais là en plus, quand ils ont récupéré les trucs. Non. Il l'a embarqué, il a mis un coup de katana, c'est fini. Ah, c'est fini, là. Il envoie un, je lui charcle sa maman. Ouais, mais le problème c'est que ça avancera rien. Venez, faut gratter un truc dessus. Si, ça avancera quelque chose. J'ai un pédio, ton père. Ah, bah, à la gauche. Oh, dingue. Les gars. Putain, elle serait trop bien de tomber sur Europe là. Ça serait surtout impossible, mais ouais. Non, je conduis. L'exemplaire seul, Théo. Mais à l'hôpital. Là. C'est qui lui? C'est moi quoi. Voilà dingue! Y'a quoi? Voilà dingue, les gars! Je peux dire, elle est bourrée. Non. La vie de ma mère, c'est quoi ça? Ça y est. Non, mais c'est juste, ils sont bizarres, mais vas-y, au calme. Et tous les feux des rues, bougez, tous les feux des rues. C'est quoi l'histoire, hein? On va pas te convoir, parce que moi, il va te faire nous. Qui
ça. Ah, il y a les F entre moi. Mais du coup, ouais, mais non, ils prennent en photo, ils nous prennent en photo. Vas-y, bougez, ils prennent en photo. Eh, il veut ma main dans sa gueule. Y'a pas de gradé, y'a rien chez les F. Vas-y. Il lâche l'Hellfire et il monte avec toi. Eh, le shérif, là, tu veux ma main dans sa gueule à prendre des photos. Attends, Félix. Y'a quoi, Félix? Arrête ça, il lâche l'Hellfire et monte avec nous. Ah, la fugitive qu'il a là, elle est sans suivre. Ça veut dire, laissez-moi tout seul, traiteur, les deux chats t'as reçu là-bas. Eh, ça vous suit, je crois. Ouais. Hein. Vous êtes parti autoroute? Non, on est parti en Rovanian. Ok, c'est bon. Pourquoi tu l'achètes d'ailleurs? Mais il a pris le réble en photo, hein. Fake news, j'aurais des seuls. Eh, c'est rien, c'est un fake qui prend des trucs en photo sans blague. Non, je lui dis, je supprime la photo, tu vas avoir ma main dans ta gueule, il m'a fait ça, bon. Des photos. Un vrai coup de presse de barbare. Eh, les photos. Ah, les photos. Un TD. Et vas-y, dépose-moi, je vais dormir, j'ai mal à la tête de baiser là. J'ai un crâne, Ah ouais, mon crâne il va exploser là, je sais pas, j'ai quoi. Comment ça, le négro, il a passé le number hein OG. Villa. Ouais, Villa, ouais. L'abuseur. L'abuseur, nom de jeu, t'es un abuseur. Donc avancez-vous sur le côté. Mais t'as quoi? Il veut quoi? Trop de balles, ouais. Vas-y, on fait contrôle à cette pause là, je vous mets. Mais ça? Vas-y, pétez ma tête. J'ai pas le gros. Ok, y'a la triade sur nous. Vas-y, je t'ai mis. Allez, s'il vous plaît, je veux. Ok, vas-y, lance roquette dans sa main. Ok, ok, ils ont. La pose, gros. Ils ont 3 AK. Je mise le busal. Vas-y, je lève, lève. Bonjour, messieurs. De la on a une descente, s'il vous plaît. Oh, ils sont contrôlés, Félix, allô. On procède simplement à un contrôle. Est-ce que vous savez, messieurs, que les conduites sous plusieurs véhicules sont interdites? Bah, on était tous. À quel moment j'ai conduit à plusieurs véhicules? Vous étiez tous devant l'hôpital. Vas-y, mettez-vous sur le côté, on vous mettez en sécurité. Départ. On a enlevé votre plaque. Ah bon, vas-y, qu'il y a rien. Vous étiez, je crois, 4 ou 5 personnes. Nous, on est pas contrôlé. Bah, on n'est pas avec eux. On était... Oh, on est... Non, on était avec eux, mais on était garés. Ouais, arrête de coller à gauche, ça chien. C'est interdit d'être chien. Je pense que vous connaissez la loi, ou pas? Ouais, mais on était à l'arrêt. Il y a un hôpital. Attends, j'ai une question, je peux me permettre, hein, mais c'est à dire qu'en fait, je fais comment pour aller à l'hôpital quand je suis avec mes amis si je veux m'arrêter? Vous mettez sur le parking de l'hôpital, c'est pas en face. Mais il y avait une place pour les voitures en face. Il n'y avait aucune place. Il y avait tous vos véhicules devant. Mais tout simplement, est-ce que vous êtes descendu déjà pour aller à l'hôpital, monsieur? Mais c'est ce qu'on voulait faire, on a vu qu'il y avait trop de monde devant, on a décidé de repartir. Et entre le temps où tu sors de la voie, tu sors de devant l'hôpital et tu descends, forcément il va y avoir 200 mètres où on va être groupé. Mais après on s'est désengagé, on est parti chacun de notre côté. Faut voir un peu plus loin que le bout de son nez, quoi. Vous voyez bien qu'on n'est pas groupé, ouais, quoi. Non, mais après, c'est simplement nos procédures. Après, ouais, vous savez que vous êtes là pour ça, s'il faut le comprendre. Bah, après, un hôpital, t'y vas rarement pour autre chose que. Hein. Ouais, mais après, vous étiez pas vraiment à l'hôpital, c'est ça. Ouais, Vous pouvez aussi comprendre notre point de vue. Oui, y'a pas de problème. On hein, voit notre point de véhicule. Pas de... En soi, de toute façon, on est juste là pour vous rappeler cette règle. Ouais. Après, si vous dites que vous étiez pas en convoi, bah tant mieux. Bah, attends, on le sait, de toute façon, y'a pas de problème. Hein. Vous inquiétez pas non, vraiment. Non, mais c'est comme dire, c'est pour vous éviter des problèmes. Nous, on est là pour faire de la prévention. Ouais, ouais, on n'est pas là pour vous emmerder, bah... vous faire perdre votre temps. C'est juste qu'au moins, on est au courant, voilà. Vous étiez là pour vous garer. Nous, on est simplement là pour vous rappeler cette règle. A priori, vous étiez pas en convoi, donc c'est parfait. Voilà, juste maintenant, on va procéder à un petit contrôle d'identité quand même. Voir si tout est en règle côté du défi à l'SPD. Et puis, pas parfait. Vous pourrez y retourner. Juste pour ça, d'accord? Ouais. Y a pas de problème. Hein. Du coup, monsieur le conducteur, s'il vous plaît, je vais demander de me fournir une pièce d'identité. Tenez. Et un permis de conduire, s'il vous plaît. Monsieur Ronnie Dugan, c'est ça? C'est ça. Parfait, est-ce que tu peux me faire une recherche sur le MDTP sur monsieur Ronnie Dugan? R-O-N-I. Et Dugan avec 2G. Monsieur, messieurs, vous passez une agréable soirée? Super. Bah ça va, écoutez. Hein. Bah super. Ah, mais comme si, hein, c'est vraiment pas pour vous embêter, c'est juste que, tranquillement. Hein. Y a des lois, après on pouvait pas savoir non plus que c'était là pour parquer. Je crois que je rappelle la triade, non? Attends deux secondes, ouais. Radio, on est encore avec la police. De quoi? Eh, moi, oui, ouais, il avait son permis. Ouais. Ok, bah non, RS. Du coup, RS? RS. Ok, c'est capté. Bah écoutez, monsieur Dugan, désolé du dérangement, on vous souhaite une bonne journée. Et puis, bah, comme je l'ai dit, faites attention à cette loi quand même. Au revoir. Okay. Allez, au revoir, monsieur. C'est bon, on a fini, pas de problème, ils ont pas été trop chiants, bref. Allez. En vrai, moi je vais me poser, j'ai mal à la tête là, mais juste si tu les appelles, dis-leur juste, on va être sympa. On va être sympa jusqu'à ce soir, mais demain on va péter un câble et ça va partir en couille avec eux. Hein. Parce que franchement, c'est des fous. Hein.
En plus, ça fait combien de temps que vous les livrez, les gars? Ça fait longtemps que vous les mettez bien en plus à les aider et tout. Oui, ça fait un mois et demi à peu près. Oh, mais plus. Depuis quand on fait l'intermédiaire? Ah oui, plus. Deux mois et demi, hein, facile. Et on parle de médecin intermédiaire. Et de toute façon. Ils ont proposé quand on faisait la grosse étape. Et j'ai juré. Juste après, nous l'a joué. Mais de toute façon, que ça soit 2, 3 ou 4, les gars, ça change même pas le fait qu'ils nous font des histoires de. En plus, on parle de Shelton. Shelton, c'est. Voilà quoi. C'est pas celui qui prend les décisions chez nous. Ouais, je vais tous baiser vos mères là. Mais qui a dit t'étais. Personne a dit t'étais un trou de balle, toi. Déjà. Pourquoi t'es énervé alors que déjà on t'a pas vendu pour 1 million? On t'a pas vendu pour 1 million, t'es malheureux. Qu'est-ce qui t'arrive? Je m'en bats les couilles. Ah bah voilà, tu. C'est pas le docteur, je crois. Voilà, il boude. Ta mère, toi, tu sors au début, Félix. Ah ouais, vas-y, venez, ça mène à rien. Venez, on va dormir. Et demain, on fera tout. Mais on reste à un. Mais en vrai, Zach, si t'arrives. Zach, il les appelle là? Je peux l'appeler qui? Les frères. Eh gros, mais c'est pas j'envoie le bourreau là? Eh, tu consommes. Ta gueule, toi, si t'as plus, tu vois. Trop lui. Elle a raison. Calme-toi. Je me trompe pas, toi, de sa mère sur le truc, il va voir lui, sa mère là-bas. Voilà. Nom de Dieu. Allez. Voilà. Toujours plus. Vous êtes fou, monsieur. T'es un fou, mon grand. Mais blague à part, Shelton, tu lui as vraiment rien fait à la meuf de base. Genre, c'est juste, elle a fait sa phase, genre. Écoute, j'ai dit, on va baiser ce soir. Après, elle a mal pris, elle a dit, ouais, vas-y, oui. viens avec moi, suis-moi. Et bref. J'étais là à ce moment-là. Ah oui, non, et après, je vais rien dire, après, vraiment. Bon, du coup, j'ai appelé la meuf. Ouais. Je lui ai dit, clairement, voilà, moi, je veux parler avec le maître Chou, là, je sais pas quoi. Je veux pas parler avec vous, parce que voilà, ça va à rien. Et je lui ai dit, elle m'a dit non, il sera pas là pendant un temps indéterminé, machin. Je lui ai dit, ok, très bien, bah, dans ce cas-là, vous avez jusqu'à demain pour enlever la prime sur la tête de mon gars. Sinon, on sera un peu plus virulent avec vous. Et elle m'a dit, bah, très bien, du coup, vous avez jusqu'à demain pour livrer votre homme. Non, mais attends, mais. Gênant. Et tu sais quoi, attends, je vais motiver mes cellules grises, gros. Demain, je te prends un truc, on va les mettre sous pression. Ils vont plus sortir. Je te jure, c'est fini. C'est fini, frère. Ça y est. J'ai juré, les trucs, ça comme, ils sont deux. Mais même si t'as fait quelque chose. Mais en fait, tu sais, parce que là, ils nous ont mis fin. Ils ont missionné pour livrer les gangs parce qu'ils voulaient plus avoir fait aux gangs. Et là, ils les missionnent pour nous taper. Ça y est. Qu'elle baisse sa mère, la balle baisée, ça va partir en couille. Ah, allez les gars, allez, demain on va mettre ça vers mamie. Eh, go dormir. En fait, go villa. Mais en fait, c'est dommage parce que. T'as vu, moi, si j'avais discuté avec l'autre, là, avec Maître Truc, je suis sûr on aurait trouvé un. Bah oui, 100%. En mode. Ça sert à rien de gâcher tant de business, tant de temps perdu. Tout ça pour un mec, pour un petit con de chez moi. Et pour une meuf qui prend mal les choses. Et derrière, il s'est fait charcuter trois fois. Il y a même pas deux. J'étais là. Elle rigolait avec lui. Qu'est-ce qu'elle nous fait la meuf? Elle rigolait. Shelton, il voulait rentrer à la villa. Elle lui a dit non, toi tu viens. On l'a laissé pour rigoler. Elle est là, elle fait la meuf sérieuse. Tranquille, ça va se payer et ça va se payer cher. En plus, elle a bien dit, tu l'as maintenant. Ça y est. En fait, le problème, c'est que là, nous, on a tout à perdre en fait. Non, clairement pas. Vas-y, je vais. Venez, au pire, on en parle à la villa, mais on a clairement beaucoup de trucs à gagner en réalité. Venez, on en parle à la villa. Venez, on rentre et on se voit de la villa, on parle. Vas-y, Zach. Vas-y, la famille. Je vous dis à plus tard, à demain sûrement. Bah, du coup, il y a plein de trucs à faire parce que côté marin, on a des trucs à faire et côté Dougan, il y a moyen de faire un truc sympa aussi. Vu que la triade, on est entre guillemets en conflit avec eux. Ça peut être sympa. Bref, sur ce, je vous dis à demain, la famille. Et puis voilà. Bisous, la famille.